Oui, bon, bonsoir. On attend encore un petit peu que tout le monde ait passé le poste de garde. Je dois vous dire que si vous voulez bien profiter de la partie artistique ce soir, ce serait mieux si vous pouviez un petit peu vous rapprocher. Voilà, pour ceux qui sont le plus au fond, voilà, vous pouvez vous rapprocher un petit peu, vous profiterez davantage. Bonsoir. On va s'y mettre. Merci de votre présence. Alors, pour vous présenter brièvement l'artiste de ce soir, comme vous avez vu, donc, c'est une artiste circassienne, trapéziste, mais pas que. En fait, elle s'est initiée d'abord jeune à la danse classique, elle voulait être danseuse, mais la danse ne suffisait pas. Elle aimait aussi parler, ce qui est rare pour les danseurs, qui généralement aiment bien s'exprimer uniquement avec le corps. Et elle aimait la poésie, alors elle s'est intéressée à la comédie, à la littérature. Oui, mais pas que, parce qu'elle aimait aussi les gens. Alors elle a fait sociologie. Et puis de sociologie, ma foi, elle aimait les gens, elle aimait les arts, elle a fait art-thérapie. Et puis comme c'est un être libre, elle aimait bien voler sans doute, donc elle a fait du trapèze. Et finalement, depuis plus de 10 ans,
de cet amour des gens, de cet amour des arts, de cet amour des mots, de cet amour de la liberté et du trapèze, ben elle a fait un métier. Et ce soir, je pense que nous allons vraiment être très heureux de l'accueillir, Marie Mercadal. Elle arrive.
Bien, mais nous sommes dans le sujet. C'est peut-être pas une vision très optimiste de la justice. Donc, nous terminons la saison consacrée au progrès avec un sujet magnifique, je crois, et vous en serons tous convaincus dans une heure. Y a-t-il un progrès en matière de justice? Comme nous le savons, si on se place à l'échelle de 300 ans ou de 400 ans, nous sommes certains que la situation a évolué. Le sujet extrêmement difficile que nous avons confié, si j'ose dire, à Nicole Belloubet, qui a bien voulu accepter de s'en emparer, c'est à une échelle plus réduite, sur 30 ou 40 ans, est-ce qu'il y a un progrès en matière de justice? Alors, Nicole Belloubet, vous êtes quelqu'un finalement de très discret, au sens où, quand on regarde votre CV sur le site de Toulouse, l'Université de Toulouse, Sciences Po, eh bien, votre CV est protégé par un identifiant et par un code d'accès. Cela dit, tout le monde vous connaît. Vous êtes docteur en droit, vous êtes agrégé de droit public, vous avez été professeur des universités, vous avez été rectrice, à Limoges, vous avez été rectrice ici chez nous à Toulouse. Les Toulousains vous connaissent d'autant plus que ensuite vous avez été première adjointe à la mairie en charge de la culture. Ensuite, vous avez été première vice-présidente de la région en charge de l'éducation supérieure, de la recherche, et de l'éducation en général. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on vous a volé. On vous a envoyé à Paris. Ils vous ont pris à nous. Et vous êtes maintenant donc membre du Conseil constitutionnel, ce que tout le monde reconnaîtra comme une fonction majestueuse. Donc merci beaucoup, Nicole, d'avoir accepté de vous affronter un sujet qui nous passionne. Merci Olivier, merci aussi à Marie Mercadal de son propos introductif qui est effectivement d'une vision de la justice qui n'est peut-être pas celle que je vais vous présenter, mais je crois que c'est une vision qui existe. Donc peut-être aurons-nous l'occasion dans le débat d'en reparler. Alors, c'est effectivement un sujet compliqué que celui-là, y a-t-il un progrès en matière de justice? C'est un sujet compliqué pour deux raisons, pour mille raisons, mais c'est un sujet compliqué en lui-même, parce que c'est un sujet qui a mille ramifications, qui peut être construit de différentes manières. Et puis c'est un sujet sur lequel vous avez tous une opinion, et c'est très sain d'ailleurs. Nous avons tous une opinion sur la justice et sur le droit. Je lisais le journal, comme beaucoup d'entre vous, tout à l'heure, et première page, simplement la première page, il y a deux thèmes au moins, qui se rapporte à cette question-là. Première victoire de Kerviel au Prud'homme. Bon, on est vraiment en plein dans le sujet. Jérôme Kerviel qui gagne son procès au Prud'homme de façon inattendue pour les uns, inespérée pour les autres, salutaire pour d'autres. Bref, on a une opinion sur ce sujet-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bien au regard de la conscience de chacun. À côté, modeste hausse du nombre de demandeurs d'asile en France. Effectivement, on vient le rapport hier, je crois, montre qu'on a accueilli en France un peu plus de demandeurs d'asile. Accueillir des demandeurs d'asile, c'est un fait politique, sociologique, mais c'est aussi du droit derrière. C'est aussi de la justice, puisque, vous le savez, il y a, en lien avec les demandeurs d'asile, énormément de contentieux. Le contentieux de la rétention, le contentieux de l'expulsion, le contentieux lié à l'accueil, etc. Donc, c'est du droit. Et puis, si je continue, alors je pourrais même aller plus loin quand je vois même le triomphe d'Hillary Clinton. Alors c'est ma déformation désormais peut-être, mais je sais que derrière, non pas Hillary Clinton, mais derrière une élection présidentielle, il y a du contentieux, il y a du droit. Actuellement, au Conseil constitutionnel, on a mis en place les premières règles pour l'élection présidentielle française, évidemment, de 2017.
Nous avons avalisé le mémento financier à l'usage du candidat, et Dieu sait s'il y a forcément du contentieux derrière, et d'autres éléments. Donc voilà, tout, finalement tout thème, ou presque, se rapporte à une question de justice et à une question de droit. On pourrait même voir une question de droit lorsque je lis archéologie, les mystères d'un massacre dans l'Alsace préhistorique. Peut-être du droit, je ne sais pas où ça n'en est pas, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Voilà, alors, donc c'est un sujet sur lequel on a, par définition, tous une opinion. Et au fond, moi, je... Alors, c'est sans doute dans ma nature, peut-être, ou je ne sais, j'ai quand même le sentiment que la réponse à la question qui est posée initialement est positive. C'est-à-dire que, oui, je considère que, au moins en France, il y a eu, dans les dernières années, des progrès en matière de justice. Pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Et je pense qu'on est dans un système qui est vecteur de progrès. Je ne suis pas en train de dire ici que ce système est exempt de toute critique, de tout questionnement. Nous le verrons. Et donc... Voilà, moi je vous le dis clairement, pour moi, oui, il y a des progrès. Alors, j'ai retrouvé cette citation d'un professeur au Collège de France au tout début du 19e siècle. Vous voyez, l'ensemble du... Eugène Lherminier, c'était un professeur de législation comparée, donc un juriste, qui dit « L'ensemble du travail humain s'accomplit sous une loi nécessaire de progrès et de triomphe. L'humanité ne marche pas au néant, mais à la gloire. C'est peut-être excessif, c'est peut-être hyper positif, mais en tout cas, c'est l'espérance que je partage. » Deux mots sur cette notion de justice. Je ne vais pas ici me livrer à une définition philosophique ou de la justice. Simplement, trois mots pour vous dire qu'au fond, la justice peut être perçue selon différents angles. Et j'ai choisi de me fonder sur un écrit de Michael Sandel, qui est un professeur extraordinaire, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Justice ». Et au fond, lui, il dit, voilà, il y a trois formes de justice, ou trois modèles de justice. Il y a celui qui cherche à maximiser le bien-être. Alors un bien-être soit individuel, soit collectif, mais c'est une forme de justice. Il y a un modèle qui se définit par le respect des droits individuels, on va dire que c'est le modèle de la France du 18e siècle, de 1789, c'est notre modèle de la Déclaration des droits de 1789, respect de la liberté, des droits individuels et de certains droits humains universels. Et puis, il y a une autre forme de justice, et c'est d'ailleurs le modèle que défend Sandel, mais je ne vais pas aller plus loin. Il dit, au fond, ce qui importe, c'est ce qu'il appellera la vie bonne, c'est-à-dire... la capacité de ces institutions judiciaires ou de ces hommes, les juges, à faire que les humains, les citoyens puissent vivre ensemble à peu près harmonieusement dans une vie bonne. Donc, bon, il distingue trois modèles de justice. Et à partir de ces trois modèles, il me semble qu'on peut dire que la justice, ça revêt trois aspects alors, qui seront alternativement prééminents. C'est peut-être un idéal philosophique et moral. Ce n'est pas l'angle que je prendrai devant vous, je vous le dis tout de suite. Au fond, c'est l'art du bon et de l'égal. Alors c'est évidemment, on sent bien toute la philosophie derrière qu'il peut y avoir. Et ça va de Voltaire, Rousseau, je parle des Français, qui sont derrière cette idée-là, à d'autres philosophes qui auront une vision un peu plus différente, comme Rawls, des Américains plus récents, qui ont un idéal philosophique un peu différent. La justice, c'est aussi un ensemble d'institutions. Donc les tribunaux que vous connaissez, les juges qui les font fonctionner, et ces institutions-là, la manière dont elles sont inscrites dans le processus politique global a du sens. La question se pose en effet de savoir
si ces institutions-là sont ou non indépendantes, indépendantes de qui ? D'un pouvoir politique exécutif, d'un pouvoir législatif, du peuple. La question se pose. Mais le positionnement des institutions judiciaires est absolument capital. Et puis, la justice, c'est évidemment l'exercice d'une activité. Il s'agit de juger. Et juger, c'est, en tout cas, je m'en rends compte depuis que je fais ce métier, fonction, c'est extrêmement difficile. Quand je parle de manière personnelle, mais quand je dois juger, et je ne juge jamais de situation individuelle, c'est-à-dire que le rôle du Conseil constitutionnel auquel j'appartiens, et pardonnez-moi si j'y fais de temps en temps référence, ce n'est pas de juger le litige entre Dupont et Durand. Le rôle du Conseil constitutionnel est un rôle de juge beaucoup plus abstrait. Nous jugeons des textes, donc c'est beaucoup plus abstrait, mais pour autant, c'est extrêmement difficile. Et je trouve que bien souvent, on peut donner une solution blanche ou une solution noire en l'étayant de manière à peu près équivalente. Donc l'art de juger, c'est un métier extrêmement difficile. Et donc, ce que je voudrais juste ici vous dire, c'est qu'il n'y a pas de justice sans conscience de cette difficulté-là, de juger, sans conscience que la justice, c'est un domaine qui est frontalier avec beaucoup d'autres et que le droit n'est pas un corpus de règles qui doit être considéré de façon isolée, ça n'a aucun sens. Il y a eu des interactions extrêmement fortes entre le droit, d'autres disciplines comme la psychologie, la sociologie, l'économie, j'y reviendrai tout à l'heure, et bien d'autres disciplines encore. Et j'ai choisi cette image-là parce qu'il y a eu un colloque très récent qui s'intitulait « Frontières du droit, frontières de la justice » avec cette très jolie image qui montre au fond que la justice, ce n'est pas quelque chose qui est absolument cadré, définitif, c'est au contraire un processus très itératif qui va se construire de manière extrêmement progressive. Alors, mon propos, je vous le dis, je suis descendue parce que j'ai la lumière en plein œil et donc c'est moyennement agréable. Mon propos consistera à plutôt vous dire que oui, il y a eu des progrès dans le domaine de la justice. Et le premier temps de ma réflexion s'articulera autour des garanties offertes aux justiciables. Les justiciables, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Potentiellement, c'est tous les citoyens qui, à un moment donné ou à un autre, peuvent se retrouver justiciables en conflit, en procès, pour telle ou telle raison. Et il me semble que depuis, 50 ans, 60 ans, 70 ans, les garanties des justiciables sont globalement et progressivement mieux assurées. Bien sûr, on va forcément trouver des situations singulières qui vont venir dire le contraire, mais il n'empêche qu'il me semble que la tendance est celle-là. Alors, mieux assurer comment ? D'abord par l'accès aux juridictions. C'est-à-dire qu'il me semble que les justiciables ont de plus en plus accès aux juridictions, s'ils le souhaitent ou s'ils se trouvent en situation de. Et ce mouvement-là de facilitation de l'accès aux juridictions, il est lié au fait qu'il y a, enfin il n'est pas lié à ce fait-là, mais en tout cas, il y a des juridictions qui sont créées de manière régulière et qui sont destinées à répondre aux différents types de conflits qui peuvent naître. Alors j'en cite ici quelques-unes qui sont relativement récentes. Je pense aux juridictions de proximité, qui sont mises en place depuis, en France depuis 2002. Je suis plutôt française, là, hein, encore que je vais en sortir un peu, mais les juridictions de proximité qui sont mises en place depuis 2002 et qui vont intervenir pour trancher des petits litiges, des petits conflits qui, finalement, peuvent être réglés assez aisément par un juge unique, un juge non professionnel, d'ailleurs, très souvent. Donc, finalement, ces juridictions de proximité ont comme objectif de simplifier la vie et d'aller plus vite. Et donc,
C'est un plutôt, me semble-t-il, un gain, bien qu'il y ait eu des discussions assez fortes au moment de la mise en place de ces juridictions de proximité. Il y a aussi, et on repart cette fois-ci à l'autre bout de la chaîne, les cours constitutionnelles. Les cours constitutionnelles, vous allez dire, ben, en quoi ça concerne les citoyens et les justiciables? Mais si, ça vous concerne, ça nous concerne. Ces cours constitutionnelles, lorsqu'on les regarde, elles sont mises en place plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, la Cour suprême des États-Unis, elle date d'il y a bien plus longtemps que ça. Mais dans les pays européens, très souvent, elle résulte de la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, d'instaurer ce que l'on va appeler un état de droit, c'est-à-dire des états où il faut respecter un certain nombre de règles et où le respect de ces règles sert de contre-pouvoir. Et les cours constitutionnelles, qui sont là pour vérifier que la Constitution est bien respectée, elles jouent un rôle important dans ce cadre-là. Et nous aurons l'occasion de le redire dans un instant, les citoyens ont accès à ces cours constitutionnelles. Et j'espère vous voir très bientôt. Enfin non, d'ailleurs, j'espère pas vous voir, j'espère vous voir comme spectateur, mais pas comme acteur. Les citoyens ont accès aux cours constitutionnels, j'y reviendrai dans un instant. Et puis il y a les juridictions européennes. Les juridictions européennes, elles datent des années 50. Hein, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à Strasbourg, et qui est la Cour qui est rattachée au Conseil de l'Europe, donc à la très grande Europe qui dépasse l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est aujourd'hui un acteur majeur de la protection des droits des individus, un acteur fondamental, incontournable. Et vous y avez accès, nous y avons accès. Il ne faut pas être pressé, mais bon, on y a accès. On peut y aller. Et très souvent, cette Cour européenne des droits de l'homme va condamner la France lorsque la France a mis trop longtemps, par exemple, à traiter un procès. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est aujourd'hui devenu un instrument absolument incontournable du paysage de la justice pour les citoyens des pays de l'Europe. Et il y a également la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui, elle, est à Luxembourg. Et la Cour de justice de l'Union européenne, qui l'a intervient dans le cadre de l'Union européenne, de l'ancien marché commun. Cette Cour de justice de l'Union européenne, les citoyens y ont accès. C'est un peu plus compliqué qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais l'accès est possible dans certaines situations, certaines conditions, détails dans lesquels je ne rentre pas là. Donc on a là une multiplicité de juridictions qui n'existaient pas pour la plupart avant les années 50 et auxquels finalement les citoyens vont pouvoir faire appel pour trancher les litiges qu'ils peuvent rencontrer avec soit l'État, soit l'administration, soit leurs voisins, soit enfin qui vous voulez. Bon. Et puis à cela s'ajoutent, et c'est encore plus récent, les juridictions internationales. Alors je pense notamment à la Cour pénale internationale, au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, etc. Bon, ces juridictions internationales ne fonctionnent pas de manière extraordinaire. Elles sont là, vous le savez sans doute, pour réprimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc. Bien des dictateurs échappent à ces juridictions internationales, mais elles existent, mais elles prennent des décisions, mais elles viennent sanctionner des atrocités qui ont été commises dans tel ou tel pays. Et là encore, alors c'est très compliqué les juridictions internationales, très compliqué parce que la justice, c'est le propre de l'État souverain. L'État, dans les conceptions anciennes, si je puis dire, l'État, il frappe la monnaie, il rend justice et il détient les armes, si l'on peut dire. Et là, la difficulté avec ces juridictions internationales, c'est que finalement, c'est des juridictions non étatiques qui vont venir prendre des décisions. Donc ça a été assez compliqué de les admettre, et notamment en France, on a dû réviser notre constitution pour admettre la Cour pénale internationale. Bon, donc, premier point, multiplication de ces juridictions. Ah, voilà quelques images.
Alors en haut, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Au milieu, comme vous le voyez, le porche, enfin vous le voyez, enfin si c'est écrit dessus, bon, le porche du Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction. Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous connaissez le système judiciaire français, donc j'évolue entre des niveaux de connaissances un peu variés. En France, nous avons deux grands ordres de juridiction, les juridictions judiciaires, avec à leur tête la Cour de cassation, qui est ici, sur l'île à Paris, quoi, et le Conseil d'État, ici, qui est aussi à Paris, juste à côté du Conseil constitutionnel, d'ailleurs. Donc, c'était juste une image. Donc, des institutions, des juridictions qui sont de plus en plus nombreuses et auxquelles on peut avoir accès. Alors, la justice, pour qu'elle fonctionne bien, ce que l'on demande tout le temps, c'est évidemment qu'elle soit indépendante et impartiale. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Il y a des thèses là-dessus, donc je vous en dis trois mots en trois minutes, mais c'est évidemment un point capital. Il faut instituer l'indépendance de la justice. Oui, mais, dans nos systèmes, dans notre système français, est-ce qu'un juge doit être indépendant ? La réponse est oui, mais indépendant de quoi ? Est-ce qu'il doit être indépendant par rapport à la loi qu'a votée le Parlement, ou est-ce qu'au contraire, il est là pour assurer l'unité de la République et donc pour respecter les lois qui ont été votées par le Parlement ? C'est un vrai débat qui se pose, c'est une vraie question qui est soulevée et qui est très complexe à résoudre. Donc, dans notre système, bien sûr, le juge, il est là pour appliquer la loi. C'est ça qui va garantir et la sécurité juridique, c'est-à-dire la certitude que nous serons tous égaux devant la loi, et la prévisibilité de la décision du juge. Car que serait un juge qui change d'avis à chaque fois qu'il a un cas qui est porté devant lui et qu'il n'applique pas de la même manière la même règle ? Donc, indépendance, certainement, mais une indépendance qui ne signifie pas l'indépendance par rapport à la loi, évidemment. Alors en France, mais ça c'est lié à notre histoire, c'est une histoire très très particulière, en France on ne parle pas de pouvoir judiciaire. On parle du pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, on parle du pouvoir législatif, c'est le Parlement, mais on ne parle pas du pouvoir judiciaire, on parle de l'autorité judiciaire. Parce que c'est très compliqué, il faut remonter à l'Ancien Régime. Mais il y a toujours eu en France une crainte que le pouvoir judiciaire ne s'impose et ne vienne contrecarrer ce que veut le Parlement ou l'exécutif. Et donc on a préféré considérer que c'était une autorité judiciaire. La Constitution de 1958, qui est notre Constitution, ne parle que d'autorité judiciaire. Ces choses-là étant dites, je les souligne pour situer un peu où se situe, pour préciser où se situe le pouvoir judiciaire. Donc il faut bien entendu assurer l'indépendance, l'impartialité et la neutralité des magistrats. Alors ça se fait avec évidemment des techniques, un statut qui les protège, des modes de nomination qui sont censés les protéger, une neutralité où ils sont censés ne pas évidemment être sensibles à tel ou tel lobby, des incompatibilités, vous ne pouvez pas être juge et élu dans n'importe quelle condition. Donc il y a tout un système qui est censé venir assurer l'impartialité des magistrats. Aujourd'hui, la question est soulevée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, et il y a eu récemment des débats au Parlement, il y a encore d'ailleurs des débats au Parlement, pour venir accroître cette indépendance des magistrats, et notamment pour faire en sorte que les magistrats, à la fois les juges qui jugent et les magistrats du parquet, c'est-à-dire ceux qui vont poursuivre les parties pour
mener des instructions et éventuellement aboutir ensuite à des sanctions. Donc il est question évidemment que les uns comme les autres soient désormais nommés par le Conseil supérieur de la magistrature qui les nommerait de manière totalement indépendante du pouvoir exécutif. Alors on ne voit pas bien cela, vous voyez, mais il y a des textes de loi qui sont en cours de discussion, qui concernent aussi bien ce qu'on appelle les magistrats du siège, c'est-à-dire les types habillés en rouge qui nous jugent, et les magistrats du parquet, c'est-à-dire encore une fois ceux qui vont poursuivre. Et donc les réformes qui sont actuellement en cours visent à ce que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une autorité qui est indépendante et composée de gens qui sont à la fois des magistrats et des gens qui sont extérieurs à la magistrature, que ce soit ce Conseil de la magistrature qui nomme et qui sanctionne les magistrats, qui deviendraient ainsi totalement indépendants du pouvoir exécutif. Certains de mes collègues, d'ailleurs professeurs, demandent que le ministère de la Justice soit supprimé. Parce qu'ils disent la justice doit être totalement indépendante, donc il ne faut pas de ministère de la Justice. C'est inutile. Il faut juste un Conseil supérieur de la magistrature, qui s'appellerait d'ailleurs Conseil supérieur de la justice, et puis, qui règle les magistrats, etc. Et puis, un budget qui serait donné au Conseil supérieur de la magistrature et qui ferait fonctionner toute l'organisation judiciaire. Bon, c'est un peu excessif pour des raisons que j'ai pas le temps de vous expliquer. Donc, je vous disais, multiplication des juridictions, garantie d'impartialité, et multiplication des voies de recours. Aujourd'hui, un citoyen qui se trouve en conflit, il a toutes sortes de voies de recours, c'est-à-dire de possibilités d'accéder aux tribunaux. Et ces voies se sont ouvertes de plus en plus, de plus en plus largement. Et notamment, une des dernières voies de recours qui s'est ouverte et dont je vous parle puisque évidemment je la connais bien, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Ça se passe devant le Conseil constitutionnel et n'importe quel justiciable qui est en procès, n'est-ce pas, peut demander à ce que son procès s'arrête et qu'une question soit posée au Conseil constitutionnel pour savoir si la loi qui lui est opposée est bien conforme à la Constitution. Prenons un exemple tout simple, vrai. J'habite, mettons, à côté d'Olivier Mock. Chacun a une petite maison, et puis on a une haie entre nous qui sépare nos deux jardins. Et puis, Olivier a une haie qui a été plantée il y a très très longtemps, et sa haie, elle fait 3 mètres de haut, et elle me prive, j'ai plus de soleil dans mon jardin. Donc un jour, je vais voir Olivier, puis je vais lui dire, écoute mon vieux, tu coupes ta haie, parce que ta haie, il y a un texte du Code civil qui dit que ta haie ne doit pas dépasser 2 mètres si elle est à moins de 2 mètres de la limite séparative de nos deux terrains. Alors Olivier n'est pas très content, enfin bon, il coupe, et ses arbres meurent parce qu'ils étaient trop vieux, et donc il les a trop coupés, donc ils meurent. Donc du coup, il est très mécontent, il m'attaque. Alors nous voilà devant le juge, tous les deux, et puis moi je me défends, je dis mais si, mais moi j'ai le droit, j'ai plus de soleil dans mon jardin, tout ça. Et lui il dit oui, mais cet article du Code civil que Nicole m'oppose, cet article qui dit qu'on ne peut pas planter à moins de 2 mètres des arbres de plus de 2 mètres, cet article, il est contraire à la Constitution parce qu'il m'a obligé à couper ma haie et c'est contraire à la Charte de l'environnement qui protège les arbres, les petits oiseaux, les fleurs et tout le machin. Alors, Olivier dit, je demande qu'on suspende le procès qui nous oppose et qu'on aille au Conseil constitutionnel pour voir si oui ou non cet article du Code civil est conforme ou pas à la Constitution. C'est ce qui fut fait. Alors, ce n'était pas Olivier, ce n'était pas moi, mais c'était ce cas-là. Et donc, l'affaire est arrivée devant nous. Vous voyez qu'on a traité toutes sortes d'affaires.
Ça va de l'affaire Cahuzac, qu'on a traité hier, à l'histoire de la haie séparative. Bon, alors nous, ce qu'on a dit, c'est que la charte de l'environnement, oui, la charte de l'environnement, il y a dans notre constitution une charte de l'environnement. Elle est intégrée dans notre constitution. Et la charte de l'environnement, elle dit effectivement qu'il faut protéger les petits oiseaux et tout ça. Bon. Non, elle dit plus que ça, hein, je plaisante. Mais cette charte de l'environnement, c'est une chose, mais il y a également le droit de propriété, l'usage du droit de propriété et les troubles apportés à la jouissance de la propriété. Et nous, nous avons considéré que dans la situation qui nous était soumise, les troubles apportés à l'usage de la propriété justifiaient que l'article du Code civil tel qu'il était rédigé le soit, et cet article, nous l'avons déclaré conforme à la Constitution. Alors on n'a pas jugé, nous, Conseil constitutionnel, on n'a pas jugé le conflit entre Olivier et moi. On n'a pas jugé ça. Nous, on a juste dit, oui, l'article du Code civil, il est bon. Et ensuite, c'est redescendu au juge de première instance qui, appliquant notre décision, qui avions déclaré que l'article du Code civil était bon, après, c'était facile de dire que Olivier, bah, tant pis, il avait qu'à planter des arbres moins haut, à veiller à sa haie. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que les questions prioritaires de constitutionnalité, c'est une nouvelle voie de recours qui existe depuis 2008. C'est une réforme de la Constitution qui a été portée par le président Sarkozy, mais bien avant lui, le président Mitterrand avait tenté de la faire passer, puis ça n'avait pas marché. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas depuis 2008 et 2010, donc aujourd'hui, il y a ce système de QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui fait que des citoyens viennent devant le Conseil constitutionnel pour faire trancher un certain nombre de litiges. Je ne développe pas non plus la multiplication des recours en responsabilité. Vous savez aujourd'hui que vous allez à l'hôpital, vous pouvez déclencher une responsabilité pour faute du médecin, sans faute de l'hôpital, il y a toutes sortes de possibilités pour déclencher des recours en responsabilité avec des niveaux de preuves différents. Tout cela, ce sont des atouts, en ce sens que ce sont des outils qui sont fournis aux contribuables. Et puis, il y a aussi, alors c'est pas des voies de recours, je n'aurais pas dû le mettre là, parce que ça n'a rien à voir là, mais il y a toute une série de mesures, ou d'actes, auparavant qu'on ne pouvait pas attaquer, parce que le juge considérait que c'était, comme je l'ai écrit là, des mesures d'ordre intérieur. Je pense par exemple à toute une série de décisions dans les prisons. Le juge considérait que, ben non, on ne pouvait pas contester ces mesures-là, que c'était des mesures d'ordre intérieur dans le système pénitentiaire et que personne ne pouvait regarder ce que c'était. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce champ-là s'est ouvert et de plus en plus de mesures peuvent être contestées devant les tribunaux. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il y a tout un développement, un foisonnement des voies de recours. Si vous ne pouvez pas... Si vous n'avez pas de sous pour conduire le contentieux, l'aide juridictionnelle est possible. L'aide juridictionnelle, c'est une aide de l'État qui va venir aider les justiciables les plus démunis pour pouvoir, le cas échéant, donc conduire des procès. Alors l'aide juridictionnelle, vous voyez, il y en a eu 900 000 en 2014. Vous ne le voyez pas très bien parce que c'est mon truc est trop... Voilà, il y a eu 900 000 aides juridictionnelles en 2014, une petite baisse en nombre total, mais dans certains domaines, ça s'est accru. C'est le cas pour les juges des enfants et dans d'autres domaines également. Voilà, donc, vous voyez, il me semble que ces éléments-là, multiplication des voies de recours, multiplication des juridictions, etc., tout cela contribue finalement à dire d'une certaine manière qu'il y a eu un progrès dans le domaine de la justice. À côté de cela, il y a ce que j'appelle, et c'est le deuxième point, ce sera le dernier, la force des décisions. C'est-à-dire que les décisions de justice, finalement, ce que les justiciables attendent, c'est qu'elles soient rendues vite, qu'elles soient exécutées et qu'elles soient justes, évidemment.
Alors, la première exigence, me semble-t-il, tourne autour des garanties qui sont offertes aux personnes. Alors là, il y a des termes qui sont utilisés, mais qui correspondent à des réalités. Droit à un recours effectif, c'est-à-dire c'est l'idée que dans toute situation, chacun puisse réellement avoir la capacité de contester la décision s'il le souhaite. Et prenons un exemple aussi qu'on a eu à trancher très récemment, une histoire de bateau, de douane qui pénètre sur un bateau qui était à quai, parce que les douaniers sont informés qu'il y a peut-être des choses bizarres dans ce bateau. Donc c'est à Calvi, les douaniers montent à bord du bateau, ils trouvent dans ce bateau des jolis tableaux, dont un tableau de Picasso qui est évalué à 30 millions d'euros. Les douaniers se renseignent, qu'est-ce que ce tableau fait là, est-ce qu'il pouvait sortir d'Espagne où il était. Bon, en fait, le propriétaire du tableau l'avait sorti par mer, espérant rejoindre les ports francs de Genève et le vendre là illégalement, alors qu'il n'avait pas d'autorisation de sortie du territoire. Donc, les douaniers prennent le tableau, et le tableau est aujourd'hui en Espagne au musée Reina Sofia. Et donc, très bien, et puis le propriétaire du navire veut contester la visite douanière. Et là, il regarde les textes dans tous les sens, et il n'a pas la possibilité par les textes de contester cette visite douanière. Il peut contester autre chose, il peut contester la saisie du tableau, il peut contester plein d'autres choses, mais pas la visite douanière. Donc ça arrive chez nous, au Conseil constitutionnel, et nous disons, ça n'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir de voie de recours effectif. Il faut que tous les actes de l'administration, ou peu importe, qu'il y ait un système de voie de recours effectif. C'est une garantie pour le justiciable. De même que le droit à un procès équitable. Qu'est-ce que c'est que le droit à un procès équitable? Je ne vais pas détailler, mais c'est l'idée que vous puissiez être entendu. Donc c'est le principe du contradictoire, que les parties à un procès puissent être entendues et que les arguments puissent être échangés afin que le procès soit rendu de la manière la plus équitable possible. S'y ajoute également dans ces garanties offertes aux personnes, c'est pas de même nature, mais l'idée que de plus en plus les juges aujourd'hui sont là pour assurer les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Ils le font sur la base de très nombreux textes. Ils peuvent s'appuyer sur la Constitution de 1958. Je ne suis pas disparue, ne vous inquiétez pas. Je cherche ma constitution, mais je ne la trouve pas. Donc la constitution de 1958, la déclaration des droits de l'homme de 1789, le préambule de la constitution de 1946, tout ça, ce sont des textes français en vigueur qui sont les textes suprêmes et sur lesquels, je vous montre ça, c'est ça la constitution de 58, la déclaration de 89, c'est tout petit, mais il n'empêche que ce sont nos textes fondamentaux. S'y ajoute la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de sauvegarde du Conseil de l'Europe, etc., etc. Donc il y a énormément de textes sur lesquels le juge va s'appuyer pour protéger les libertés individuelles. Ce sont des textes évidemment que tous les juges manient tous les jours. Et dernier point là sur ces garanties offertes aux personnes, bien que ce ne soit pas de même niveau, c'est évidemment le caractère gratuit en théorie de la justice, gratuit en théorie, puisque évidemment le ministère de la justice, c'est-à-dire donc la rémunération des juges, le fonctionnement de la justice, c'est l'impôt qui le paye, bien sûr, c'est normal, comme tous les services publics, mais dans un certain nombre d'hypothèses, les procès, vous n'avez pas de droit à payer particulier, vous allez devoir payer votre avocat si vous choisissez d'en prendre un, mais ce n'est pas toujours obligatoire partout et en tout lieu. Et la QPC, par exemple, la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, c'est gratuit, enfin, en théorie. C'est gratuit, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas de droit à payer pour poser une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Mais généralement, vous allez choisir un avocat. Voilà.
Enfin, ça dépend. Ça dépend, parce que ça c'est très variable. Parce que hier, on a reçu, j'en reparlerai tout à l'heure, en ce moment, on a donc devant nous, pendant l'affaire Cahuzac, je vous raconterai pourquoi tout à l'heure, si vous voulez, et l'affaire Wildenstein. Même, c'est la même question. Monsieur Wildenstein, il a oublié de payer 500 millions d'euros aux impôts. Et. Non, mais il n'a pas fait exprès. Hein. Et donc, je ne sais pas. Non, je ne plaisante pas. Donc, évidemment, il y a des avocats. Je pense qu'ils se feront rémunérer. Je pense. En revanche, dans bien des cas, vous avez des avocats qui viennent devant nous pour porter une cause principielle. C'est-à-dire que quand on voit arriver devant nous Maître Spinozzi qui intervient pour la section française de l'Observatoire des prisons, je suis sûre qu'il ne demande pas un centime. Ce qu'il veut, c'est gagner l'affaire pour que, de manière emblématique, les prisonniers aient un contrat de travail ou un permis de visite ou bref, un certain nombre de droits. Donc c'est son combat. Et donc là, vous voyez, je pense que la justice, là, le prix de l'avocat est évidemment différent. Bien. Deuxième point dans ce qu'attendent les justiciables, donc des garanties qui sont offertes aux personnes, à mon avis, un point clé, rapidité et efficacité. C'est, je crois, un des points clés. La question de la lenteur ou de la rapidité de la justice est une vraie question. C'est une vraie question, puisque en réalité, c'est là, de mon point de vue, que l'on va pouvoir voir une forme d'inégalité entre le justiciable qui a les moyens d'attendre 10 ans que son affaire soit tranchée, y compris jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, hein, parce qu'alors là, il faut du temps, et puis celui qui n'a pas les moyens et qui va dire ah « non, je laisse tomber parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, ou enfin peu importe. Bon. » Donc évidemment, lorsqu'on regarde les textes internationaux, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, que je vous ai déjà citée tout à l'heure, qui est donc la Convention du Conseil de l'Europe et qui est un texte extrêmement protecteur des libertés, ce texte-là exige un délai raisonnable pour les procès. Et si le délai raisonnable n'est pas respecté, alors un délai raisonnable, ça n'est pas daté. Hein, ça n'est pas daté. Mais si ce délai n'est pas raisonnable, s'il est trop long, l'État qui n'a pas été capable de conduire un procès dans un délai raisonnable sera condamné à une indemnité. Et la France, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été condamnée à plusieurs reprises. Donc, certaines juridictions se sont adaptées. C'est le cas notamment des juridictions administratives qui, depuis les années 2000, ont développé énormément de procédures de référé. Et en 24 ou 48 heures, vous pouvez très bien avoir un juge administratif qui va statuer sur votre affaire. C'était le cas notamment, vous en avez évidemment entendu parler, pendant l'état d'urgence, hein, où, pour des raisons qui ont été contestées, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, il y avait des perquisitions qui étaient rendues possibles. Donc vous dormez tranquillement, puis les flics arrivent, défoncent votre porte, et le lendemain, vous allez devant le juge en disant il y a eu atteinte à ma liberté, à ma vie privée, et donc je demande réparation. Les juges peuvent statuer très vite. Ils l'ont fait surtout pour les mesures d'assignation à résidence, où là, ils devaient statuer très vite, parce que lorsque c'est donc possible pendant l'état d'urgence, vous pouvez être assigné à résidence. Alors nous avons dit, Conseil constitutionnel, qu'on ne peut pas être assigné plus de 12 heures par jour à résidence. Donc théoriquement, ça correspond à la nuit. Bon, ça va à peu près. Mais il se trouve qu'en plus, on vous assigne à résidence, mais on vous dit vous irez pointer 3 fois par jour au commissariat. Alors là, ça devient déjà plus compliqué à gérer, parce que ça veut dire que la personne, si elle travaille, ça devient très très compliqué de travailler, d'être 12 heures par jour à son domicile, d'aller pointer 3 fois par jour au commissariat. Bon, donc là, il est possible d'aller voir un juge, le juge administratif, tout de suite, et en 48 heures, il va vous dire « bon, j'annule la mesure d'assignation à résidence ou je la maintiens ». Bon, il l'a fait aussi pour les interdictions de périmètre de manifestation. Vous en avez peut-être entendu parler. Le juge administratif a annulé récemment des interdictions de périmètre de manifestation, c'est-à-dire, vous savez, on interdit à des gens d'aller à telle manifestation sur tel périmètre, et
le juge administratif a annulé ces interdictions et ce sont des gens qui avaient eu ces interdictions qui ont brûlé la voiture où il y avait les policiers. Bon, mais ça, c'est, ça arrive. Bon. Rapidité, efficacité, clarté et lisibilité des jugements. Toutes les juridictions aujourd'hui, parce que c'est un atout pour les justiciables, toutes les juridictions font des efforts pour rendre leurs jugements plus lisibles. Regardez, c'est très compliqué de lire un jugement hein, quand on n'est pas dans l'affaire, enfin dans le métier ou quand on n'a pas les mots. Et donc les juridictions aujourd'hui essaient de faire en sorte que les jugements soient plus lisibles. Les juges font également attention, je vais plus vite parce que je vois que l'heure tourne, font également attention aux sanctions et aux peines avec cette idée que les sanctions et les peines, enfin, sont graduées et proportionnées. Donc le juge, théoriquement, est là pour assurer la proportionnalité de la peine par rapport à l'acte qui a été commis, bien sûr. Et donc c'est dans cette appréciation de la proportionnalité que le juge trouve tout son sens. Et c'est vrai qu'en 50 ans, on est passé de la peine de mort qui existait en France à aujourd'hui... je vous ai mis ce principe-là, puisque c'est celui qui nous occupe pour l'affaire Cahuzac, ce qu'on appelle le principe non bis in idem, c'est-à-dire la question de savoir si une personne qui a commis un fait donné, pour ce même fait, peut être punie deux fois. C'est la question qui se pose pour M. Cahuzac comme pour M. Wildenstein. Ces deux personnes-là ont commis des fraudes fiscales. Donc, le fait, c'est la fraude fiscale. Ils sont évidemment sanctionnés par l'administration des impôts qui, forcément, donne une amende fiscale. Est-il possible qu'ils soient également sanctionnés pénalement par une peine, soit amende, évidemment très élevée, soit même une peine de prison. Peut-on cumuler deux sanctions différentes pour un même fait? Voilà la question qui nous est posée et que nous avons à traiter au Conseil constitutionnel. Nous ne traitons évidemment pas de la question de savoir si M. Cahuzac est coupable, pas coupable. Ce n'est pas de cela dont nous nous occupons. Nous traitons le procès fait à la loi. Et la loi, c'est est-ce que ce principe non bis in idem, pas deux fois pour la même chose, est-ce que ce principe-là s'applique dans tous les cas? Voilà la question qui nous est posée. Alors vous voyez bien qu'entre la peine de mort, il y a 50 ans, et aujourd'hui l'interrogation sur le fait de savoir si quand on est sanctionné fiscalement, on peut aussi ou non être sanctionné pénalement, il y a une différence de nature. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les sanctions se sont affinées. Alors là, quelques chiffres, vous voyez, sur les données dans le temps. Alors, c'est des moyennes, donc évidemment, c'est des moyennes, donc ça diminue beaucoup quand même. En 2013, vous voyez, on est à 11 mois devant les cours d'appel en justice civile, 13 mois devant les conseils de prud'homme. C'est honnêtement, c'est une moyenne plutôt basse, hein, parce que des procès devant les prud'hommes qui durent 3 ans, voire Kerviel, enfin vous me direz Kerviel, c'était un peu compliqué, mais les procès sont souvent très longs devant les prud'hommes, et c'est un des points, vous le savez, qui rend les entreprises extrêmement sensibles à cette question-là quand il y a des contestations de licenciement. Justice pénale, on est à, on va dire, allez, 30 mois de moyenne en justice pénale, qui est évidemment un domaine extrêmement sensible. Alors, dernier point, donc on a vu ce mouvement de création des juridictions, les garanties offertes aux justiciables, les derniers points qui, me semble-t-il, est un véritable point d'interrogation, plus qu'un progrès, encore que. La question, c'est de savoir finalement si les juges doivent juger en égalité ou en équité. Est-ce que le principe d'égalité, qui est le principe fondamentale de notre Constitution française, est-ce que ce principe d'égalité doit s'appliquer de manière intransigeante, systématique, ou bien est-ce que le juge doit y introduire une dose d'équité, c'est-à-dire de prise en compte de la situation singulière de l'individu, du cas particulier qu'il a devant lui? C'est une véritable difficulté. Alors, là, je vous ai rappelé
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est dans notre Constitution. Et donc cet article 6, c'est ce qui fonde le principe d'égalité en droit français. Tous les citoyens, etc., tous les citoyens sont égaux à ses yeux, également admissibles à toute dignité, place et emploi, selon leur capacité, etc. Bon, vous connaissez tout ça. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc c'est cela qui fonde en France le principe d'égalité en droit. C'est pas l'article premier, tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça c'est autre chose, c'est le principe d'égalité de manière générale. Là c'est le principe d'égalité devant la loi. Donc évidemment, nous nous appliquons ce principe d'égalité, mais nous reconnaissons, et c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase là-haut, nous reconnaissons que ce principe d'égalité, il n'est pas absolu. Nous écrivons, vous voyez, selon l'article 6, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Mais nous ajoutons, ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, bon, ça on peut le concevoir, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence soit en rapport direct avec l'objet de la loi. Donc on admet, le Conseil constitutionnel admet que le législateur peut déroger au principe d'égalité pour des motifs d'intérêt général. Par exemple, pour lutter contre la fraude, pour maintenir l'ordre public, pour toutes sortes de raisons, on peut déroger au principe d'égalité, mais il faut que ce soit justifié. Voilà, et je vous ai mise également cette très jolie citation d'une philosophe qui s'appelle, américaine, qui s'appelle Martha Nussbaum, qui vient d'écrire, donc qui a écrit il y a, en 1995 un très beau livre qui s'appelle L'art de juger, qui vient d'être publié en France en 2015, L'art de juger, et qui dit, bon, au fond, les juges, ils doivent être extrêmement rationnels, ils doivent posséder une excellente technique juridique, ils doivent connaître tous les précédents des situations à peu près similaires, ils doivent avoir absolument cette technique et cette maîtrise juridique. Mais, dit-elle, le juge doit aussi être un poète. Et elle, ça, c'est pas, je ne vous ai pas mis ça là, mais elle le dit ainsi. Afin d'être pleinement rationnels, les juges doivent être capables de fantaisie et de sympathie. Ils doivent éduquer non seulement leur capacité technique, mais également leur capacité à l'humanité. Sans cela, leur impartialité sera bornée et leur justice aveugle. Donc c'est l'idée que l'équité, c'est-à-dire ce qui va permettre de prendre en compte la singularité des situations, ne peut pas être absente. Voilà, en conclusion de cette partie, donc il me semble, si vous voulez, que globalement, les garanties des justiciables sont mieux assurées en France, pour toutes les raisons que j'ai dites, mais à ces garanties, évidemment, vont répondre un accroissement considérable de la complexité de la justice. C'est-à-dire que, bon, moi déjà c'est juste, enfin c'est juste, j'ai un peu de mal parfois à m'y retrouver, mais enfin quand même, ça va à peu près. Mais c'est vrai que celui qui n'est pas dans ce milieu-là, il a du mal, se pose la question des moyens donnés à la justice, sur lequel vous m'autoriserez à ne pas prendre de parti, étant donné que c'est une question quand même évidemment extrêmement sensible. Et dans ce contexte-là, apparaît ce que l'on appelle une déjudiciarisation d'un certain nombre de dossiers. C'est-à-dire que, devant les difficultés que rencontrent les juges aujourd'hui, et notamment le juge judiciaire, qui est le juge qui va avoir à traiter le plus grand nombre de procès, le juge administratif à côté, il ne traite qu'un tout petit nombre de procès, eh bien, est née l'idée qu'il fallait sortir du domaine contentieux toute une série de thèmes. Et c'est ce qui est, et ce qui fait débat, c'est ce qui est figure dans le projet de loi pour la justice du XXIe siècle, où on va déjudiciariser une série de thèmes, les Pax, on ne se paxera plus devant le juge, mais devant le maire, changement de prénom, pareil, il ne sera plus devant le juge, mais devant le maire, toute une série de petits délits routiers, tout ça, ça sort de chez le juge, et le divorce par consentement mutuel, qui ne se fera plus
si la loi est adoptée devant le juge, mais qui se fera sans difficulté, puisque théoriquement, il n'y a pas, dans une grande partie des cas, donc il n'y a pas de difficulté. Donc, on est parti de l'idée que, je crois, le divorce par consentement mutuel, c'est quelque chose comme plus de 70 000 cas par an, c'est 54% des divorces, et donc que le juge, la plus-value du juge est extrêmement mince. Et vous savez que ça soulève des difficultés, parce que dans certains cas, on dit, mais quid des enfants, il y a parfois des difficultés de ça. Bon, bien. Donc, voyez, l'idée, c'est que ce projet de loi, son idée, c'est de faciliter la vie des justiciables et de permettre aux magistrats de se recentrer sur leur cœur de métier. Il y a d'autres techniques qui pourraient intervenir, mais dont je n'ai pas le temps ici de vous parler. Parmi ces autres techniques, si je vous dis juste un mot quand même, parmi ces autres techniques, la question, c'est également de filtrer ce qui va arriver à la Cour de cassation. Est-ce que tous les... Parce que maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque les citoyens savent qu'ils ont toutes les voies de recours possibles, qu'ils peuvent toujours faire appel, que quand il y a eu l'appel, ils peuvent monter en cassation, il y a une forme d'engorgement des juridictions suprêmes et notamment de la Cour de cassation. Donc la question se pose de savoir si on ne peut pas mettre un filtre pour que tout n'arrive pas à la Cour de cassation. Première question qui se pose. Et je n'ai pas le temps de détailler, mais cela fait beaucoup de débats. Deuxième question qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas innover ? Et au-delà des modes de justice formelle, dont je vous parle ici exclusivement, est-ce qu'il ne faut pas développer d'autres modes de justice différents ? Médiation qui existe, hein, tout ça existe. Vous avez entendu parler de la transaction pénale qui fait beaucoup de bruit également actuellement. Hein. Je sais que je vais être condamnée, je paye, comme ça j'évite le procès, ça simplifie la vie à tout le monde. Est-ce que ça n'induit pas une inégalité avec une justice des riches et une justice des pauvres ? Tout ça sont des questions en débat. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette première partie, qui est une première partie très allante, avec l'idée de, oui, il y a des progrès de la justice. J'essaierai de vous montrer dans une deuxième partie que la difficulté d'être juge tient à l'incertitude du droit. On quittera le monde de la justice pour rentrer dans celui du droit. Et au fond, je réfléchirai avec vous à la question de savoir si le droit précède l'évolution des comportements ou si le droit suit des comportements qui sont déjà installés. La réponse est sans doute entre les deux. Mais enfin, si le droit ne précède pas les comportements et s'il suit des comportements qui s'installent, alors ça veut dire qu'il y a un moment de latence où le juge est dans le vide. C'est Uber. Qu'est-ce que fait le juge avec Uber ? C'est de ça dont je vous parlerai.
Je ne suis pas coupable. Levez la main droite et dites. C'était pas voulu. Je jure. Qu'il se lève coupable devant la loi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas la parole. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il est innocent. Levez-vous, monsieur. C'était pas voulu. On attend l'interprète et on enchaîne. Laissez son destin. Levez la main droite et dites. C'est pas vrai, vous mentez. Ne regardez pas dans l'assiette du voisin. Coupable. C'est du béaba. C'était pas voulu. Levez-vous, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir du moment où il y a le tampon. C'était pas voulu. Coupable. C'est pas vrai, vous mentez. Il n'a pas la parole. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas coupable. Il faudrait accorder coupable. Le violon. Je plaide non coupable, monsieur le procureur. Coupable. Coupable. Qu'il se lève. Dans votre situation, il n'y a pas de solution. C'est fini. Vous êtes coupable devant la loi. Coupable. C'était flagrant, en fait, parce qu'il y avait le juge qui était là. Il pourrait y avoir une dégradation volontaire d'un bien privé. Et le juge lisait toute la feuille, la procédure. Il n'a pas la parole pour l'instant. Il ne s'adressait que à la préfecture. Il faut faire les choses dans les règles. À la greffière, en fait, qui n'a tout. C'est moi qui décide quand c'est bon. C'était que c'est bon, quoi. Airs perdus au lointain, mais jamais dans les yeux de la personne à qui il s'adresse. Il a du mal à accepter la procédure. Qui fait qu'il est en train de décider du sort d'une personne qui est en face de lui. Asseyez-vous, monsieur. Qu'il nie complètement. Il faudra pointer, sinon je vous garantis que votre avocat pourra faire des pirouettes. Ce qui est rassurant, c'est que ça ne pas assez une personne. Par ce déni, par ce comportement-là, c'est comme une technique de. Il n'a rien à dire. Elle assume pas. Si elle était complètement d'accord avec ce qu'elle faisait, qu'après toutes ses études et toutes ses années de travail à être juge, qui est un métier quand même qui est plutôt honorable quoi, quand t'es dans la vraie vie. C'est bon, il peut repartir. Et bah, elle le regarderait dans les yeux et elle serait sûre de ce qu'elle fait. Je pense. Confortable de pouvoir identifier le barbare en fonction de son appartenance à un peuple. Nos propres guerres n'assassinent-elles pas encore aujourd'hui des nourrissons dans leur berceau et jusque dans les bras de leur mère? Et cela, de manière diverse et variée, de la triste balle perdue à l'arme chimique en passant par le couteau. Certes, nous avons beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge et nous avons atteint un certain degré de raffinement dans le crime. Nous savons tuer de manière civilisée, au scalpel, dans des ventres fertiles, par injection létale pour rendre justice. Et tout cela proprement, sans cri, sans douleur et en toute bonne conscience, dans des odeurs d'éther et d'alcool. Nous avons aseptisé le crime. L'avons-nous pour autant purifié de son horreur? Certes, nous savons tuer de manière très civilisée, mais il arrive encore que l'on jette des lambeaux de corps humains déchiquetés par les explosifs dans des sacs que l'on destine d'ordinaire aux déchets ménagers. Que faut-il penser de tout cela? Thank you.
Que faut-il en dire ? Nous avons la bouche pleine de mots et nos débats n'en finissent plus. Mais il faut croire que nos conversations stériles ne servent que les intérêts des marchands de café et des débits de boissons. Et pendant que nous regardons ailleurs, d'autres que nous profitent de notre indifférence pour pratiquer des actes de torture innommables en faisant preuve d'une imagination débordante. En vérité, les peuples barbares seraient les premiers à pointer vers nous un doigt accusateur. Des gueules cassées de la Grande Guerre, pour en finir par les irradier d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y aurait de quoi dire, si le procès de l'humanité devait se tenir, il y aurait assurément de quoi étayer l'accusation de barbarie. Il fut un temps béni, où le mal absolu était clairement identifié, où nous pouvions avoir une agréable vision manichéenne du monde et nous placer bien entendu du bon côté. Mais de nos jours, il n'est plus aussi aisé d'avoir une opinion tranchée. Le mal absolu est toujours bien présent, mais il est désormais plus diffus, plus sournois. Les bourreaux sont parfois victimes à leur manière. Les victimes, pas toujours innocentes. Les héros ne sont plus irréprochables, mais facilement critiquables. Les causes les plus justes et les plus nobles, servies et souillées par les moyens les plus pervertis. Contraints de choisir entre gris clair et gris foncé, nous imposons compromis sur compromis à notre conscience et nous avalons des couleuvres en y prenant goût. Alors, c'est difficile d'enchaîner après ces images à la fois jolies, esthétiquement et terribles. Ah oui, alors ça, c'était lié à la première partie. Donc, vous avez vu cet article peut-être dans la Dépêche du Midi, hein, qui est lié à la question qui se posait. Alors, je vais essayer d'être plus rapide là sur ce deuxième temps, qui est au fond la question de savoir si les décisions de justice, au fond, est-ce qu'elles vont davantage traduire un état de la société ou est-ce qu'elles vont l'anticiper ? C'est au fond ce sujet-là qui est assez délicat, parce que autant on voit bien ce qu'est le juge bouche de la loi, même si lorsque le juge est simplement la bouche de la loi, il vient tout de même parfois
compléter cette loi lorsqu'elle est silencieuse sur tel ou tel point. Mais là, la question que je vous pose n'est pas tout à fait celle-là. Au fond, elle est de dire qu'est-ce que c'est qu'une règle de droit ? Est-ce qu'une règle de droit, lorsqu'elle est posée par le législateur, puisque c'est généralement le législateur qui pose la règle, qui cadre, l'administration venant le cas échéant ensuite la compléter, est-ce que le législateur, au fond, est-ce qu'il intervient de manière prospective ou est-ce qu'il traduit l'état d'une société ? C'est un peu ce que disait un grand juriste bordelais, Léon Duguy, c'est-à-dire qu'au fond, pour lui, le droit traduisait l'état d'une société. Et donc, moi, la question qui me tracasse tous les jours, c'est celle-là, c'est-à-dire que si on considère que le droit, c'est le champ de l'existant, surtout le champ de l'existant, est-ce que la vitalité sociale, la vitalité d'une société, est-ce qu'elle est prise en compte par le droit ? Et est-ce qu'elle l'est suffisamment tôt pour permettre au juge de s'inscrire dans le champ qui devrait être le sien, c'est-à-dire un champ de sécurité juridique, un champ de prévisibilité et un champ de certitude. Il me semble que c'est sans doute la faiblesse, non pas des juges, n'est-ce pas, mais de l'inscription du droit qui est cette faiblesse de ne pas être suffisamment prospectif, suffisamment anticipateur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, finalement, de laisser un champ d'incertitude parce que la société va plus vite, que le droit n'a pas eu le temps de prendre en compte cette évolution sociétale et que, du coup, le juge qui est là au milieu de ces conflits qui existent a un petit peu de difficulté à trouver son champ. Et donc, voilà, un de mes collègues juristes écrivait ceci, alors c'est peut-être un peu sévère, hein, le droit ne serait qu'un compagnon de route boiteux de l'innovation, toujours en retard, un peu derrière. Bon, c'est sévère, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'interroger. Alors, j'ai choisi 3 points, mais j'aurais pu en prendre 50 ou 100, peu importe. Et j'ai choisi 3 points simplement pour vous montrer les frontières du droit et donc les frontières de la justice et donc les difficultés éventuelles des juges. Première question, justice et économie. Alors, beaucoup de ces questions sont imbriquées, évidemment. Justice et économie. Et donc, l'une des questions sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, je dirais, en difficulté ou en incertitude, c'est bien sûr Uber et l'économie collaborative. C'est une véritable difficulté, c'est une difficulté là, d'aujourd'hui, du quotidien dont je vous parle, en tout cas de celle de mon quotidien. Et on voit bien que les institutions qui sont chargées d'émettre la règle de droit sont elles aussi en difficulté. Peut-être l'avez-vous lu dans les journaux, la Commission européenne vient de rendre publique les premières directives sur l'économie collaborative, sur donc l'économie qui naît de ces plateformes partagées et de cette économie du partage qui en découle. Et donc vous mettez là-dessus Uber, Airbnb, Blablacar, etc. Enfin, tout ces, voilà ce qui fait la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Enfin, de moi pas trop, mais de certains d'entre nous, oui, beaucoup. Donc, comment est-ce que le droit prend en compte cela ? On voit bien qu'il y a là une véritable difficulté. Nous, au Conseil constitutionnel, en 2 ans, on a rendu 4 décisions sur l'histoire des taxis et des VTC. 4 décisions. Et je vois bien, alors, on essaie de se fixer des règles. On essaie de dire, les taxis, c'est une activité réglementée qui a été spécifiquement réglementée avec des atteintes possibles à la circulation, puisque les taxis ont le droit de se garer sur la voie publique. Donc ça crée, par définition, ça défluidifie la circulation sur la voie publique. Mais en contrepartie de cette possibilité qui leur a été donnée se garer sur la voie publique, eh bien, ils ont le droit de faire de la maraude, c'est-à-dire de prendre des clients un peu partout, n'importe où, etc. Et ça, les VTC, les mototaxis n'ont pas
cette capacité à. Donc eux, du coup, n'ont pas, ne devraient pas avoir la possibilité de faire de la maraude, d'aller attendre les clients dans les aéroports, ce qu'ils font hein, tous les jours, etc. Donc, alors on essaie de construire quelque chose autour de activités réglementées, d'où découle un certain nombre de droits et de textes, et activités non réglementées, d'où découle un certain nombre de caractéristiques. Mais ça ne tient pas par rapport à la réalité. On voit bien que le juge, là, est en difficulté. Moi, je vois bien quand j'arrive dans une gare à Paris, on se fait littéralement sauter dessus par des mototaxis ou par des VTC ou ce que vous voulez, alors que les taxis sont là dans leur file à attendre. Et nous avons expressément interdit, et nous, Conseil constitutionnel, mais pas que nous, on a expressément interdit ça. Pas de problème, ça se fait quand même. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté, que le droit là a du mal à prendre en compte cette économie collaborative. Et donc les premières directives de la Commission européenne, telles qu'elles semblent s'esquisser, on voit bien qu'elles arrivent avec retard. Et donc qu'elles laissent le juge dans un phénomène d'incertitude. Ça pose la question donc des régulations pour l'économie numérique. Est-ce que on peut aujourd'hui fonctionner dans une économie qui est largement une économie numérique avec un système de réglementation comme celui sur lequel on vit en France et dans les autres pays d'ailleurs de l'Union européenne, qui est vraiment une règle cadrée à l'avance avec prescription, interdiction, contrôle. Est-ce que c'est cela aujourd'hui dans le système de l'économie numérique? Je ne suis pas tout à fait sûre que il faille aujourd'hui fonctionner comme ça. Et on dit de plus en plus que c'est un système de régulation avec du droit souple qui devrait se mettre en place et un contrôle par des autorités indépendantes, sans doute beaucoup plus fort, mais qui est un système complètement différent. Donc on voit bien que les cartes sont rebattues et que c'est une société encore incertaine sur laquelle le droit n'est pas encore créé. Autre question, est-ce qu'il faut anticiper la fin du salariat? C'est une question qui se pose et que nous avons, que les juges ont à traiter. Parce que le salariat, il repose essentiellement sur la relation de subordination. Et dans des sociétés comme Uber ou d'autres, on n'est plus dans ce système de subordination-là. Il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, mais ce n'est plus exactement la relation hiérarchisée, subordonnée, qui fonctionnait dans l'économie post-industrielle qu'on a connue. Donc là également, de vraies questions, parce que nous avons ces questions-là qui arrivent devant nous. Quel statut pour les travailleurs 2.0? C'est ça les questions que nous avons à traiter. Eh bien, je peux vous dire que on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais on ne sait pas très bien jusqu'où prendre. Alors, on le fait par des faisceaux de critères. On dit, ah ben oui, il a un costume, donc ça veut dire qu'il est rattaché à la société, donc il reçoit des directives, donc quand même ça veut dire qu'il est rattaché à cette société, alors que oui, il est peut-être salarié de la société, et non pas travailleur indépendant, ce qui donc va modifier son statut. Ce sont ces types de questions-là que nous avons à nous poser. Donc voilà, un exemple de premier point, justice et économie. Alors, vous voyez, j'ai trouvé ce titre, là, je ne sais plus dans quel journal c'était, c'est peut-être Les Échos, je ne sais pas. Ce que vous voyez là, c'est Airbnb à Paris. Et voilà. Voilà, donc vous avez les hôtels au milieu qui nous disent « mais et nous ?» Et puis tout ça, c'est Airbnb avec une réglementation que la mairie essaye de mettre en place. Dans l'une des lois là, qui est en cours de discussion, on essaie de dire que les gens qui souhaitent louer leur appartement pour une nuit, deux nuits, etc., devraient d'abord aller se déclarer en mairie, mais au nom de quoi? Et quid de la liberté de disposer de sa propriété? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement que ça pose des questions par rapport aux principes constitutionnels qui existent. Donc, une vraie question là, sur cela. J'aime bien aussi ce dessin qui est paru dans Les Échos. Et je trouve que c'est assez juste. Voilà, sur les difficultés que nous avons, on voit bien, voilà, et c'est les juges qui sont représentés. Donc c'est bien de la justice dont il s'agit et qui est là. Alors bien sûr, on a interdit Uber Pop, enfin, toutes ces questions-là. Mais ça ne
règle pas les questions de fond qui sont posées par l'émergence de cette économie collaborative. Sur la question de l'emploi salarié, là encore, j'avais pris ce chiffre, où vous voyez que, bien sûr, l'emploi salarié est prédominant. Bien sûr, l'emploi salarié est prédominant, mais on voit que la tendance s'inverse et que ce qui monte, c'est ce qu'on appelle l'emploi non salarié. Emploi non salarié voulant dire donc ces emplois sur lesquels il est difficile aujourd'hui de tabler sur une relation de subordination classique. Et donc vous le voyez avec la question des auto-entrepreneurs. Voilà, donc on est vraiment dans cette frontière disciplinaire, on est vraiment sur une question qui se pose de manière extrêmement concrète au juge. Et que, à défaut de texte, ou quand il y a des textes, je reviens au taxi, comme la loi Thévenoud qui a été votée et qui a été adoptée en 2014, et qui, au moment où elle a été votée, on s'est dit, ça y est, on a trouvé la solution. 2 mois après, c'était terminé. C'est-à-dire qu'on voyait bien que ni les taxis devaient être à nouveau en grève, les VTC, je ne sais où, enfin, on voyait bien que ça ne marchait pas. Et donc, du coup, les juges sont là avec des conflits qu'ils doivent malgré tout régler. Est-ce qu'ils ne les règlent pas en fonction de schémas trop anciens? C'est une véritable question qui se pose. Deuxième question, justice et science. Même chose. Quand vous regardez l'évolution de la bioéthique et du droit des personnes, avant, les étudiants en droit, quand ils avaient un cours de droit civil en première année, on leur apprenait les personnes, le statut juridique de la personne, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, la notion de personne, c'est plus une notion unique. Vous avez des personnes sans corps, les fœtus, les cadavres, qui ont des droits qui vont s'appliquer à eux. Puis vous avez des corps sans personne. Donc c'est un système extrêmement compliqué qui se met en place. J'ajoute à ce propos-là que nous sommes dans des discussions extrêmement complexes sur la recherche sur les embryons. Jusqu'où autoriser cette recherche? Jusqu'où? Là aussi, il y a eu des décisions de justice. Il y a également des sujets dont vous entendez parler tous les jours, sur l'assistance à la procréation médicalement assistée ou sur la gestation pour autrui, et peut-être sur les transferts de gamètes, vous avez les dons de gamètes, vous avez peut-être également entendu parler de ça. Il y a eu très récemment une décision du Conseil d'État assez surprenante, mais c'est une décision du Conseil d'État que je ne commente pas ici, donc, qui a autorisé une jeune femme espagnole dont le mari était décédé à récupérer les gamètes de son mari pour qu'elle puisse avoir une fécondation en Espagne, puisqu'en France, ce type de processus est interdit. Bon, et le Conseil d'État a écarté la loi française qui l'interdit. Incroyable. Il a écarté la loi française qui l'interdit en considération de la situation singulière de cette personne, jugement en équité, pour l'autoriser à prendre les gamètes, à les amener en Espagne et à faire la fécondation en Espagne. Bien. Prenez également la question qui se pose aujourd'hui de plus en plus du droit à l'enfant. Est-ce qu'il existe un droit à l'enfant? Jusqu'à présent, on parlait des droits des enfants. Maintenant, on parle du droit à l'enfant. Alors, le droit à l'enfant, voilà également des questions auxquelles les juges sont confrontés. Le droit à l'enfant, encore une fois, c'est par exemple, oui, la PMA ou la GPA. En France, vous ne pouvez avoir de procréation médicalement assistée que si le couple est infertile. Mais dans d'autres pays, il en va différemment. Et donc, aujourd'hui, on commence à voir apparaître ce que l'on appelle des maternités de convenance. C'est-à-dire qu'au fond, on estime qu'un couple a droit à l'enfant. Pas seulement parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant, mais parce que, pour des convenances personnelles, parce que c'est un couple homosexuel, parce que je ne sais pour quelle raison, il y a un droit à l'enfant qui apparaît.
Donc on est dans un bouleversement de la société que parfois la loi interdit, française, mais que la Convention européenne des droits de l'homme va admettre. Et donc il y a une incertitude juridique au sein de laquelle le juge doit essayer de naviguer, incertitude juridique qui est rendue encore plus importante par les droits différents existants dans différents pays. Donc vous voyez bien que les progrès de la science, là également, plongent le juge dans une forme d'incertitude juridique. S'y ajoute, dans justice et science, vous avez également les questions du climat, où là encore, le juge est interpellé. La Charte de l'environnement, je vous le disais tout à l'heure, qui a été intégrée dans la Constitution française en 2005, a été un premier pas de la juridicisation de l'environnement. Et aujourd'hui, vous avez la COP21 et un nombre extrêmement important de textes internationaux. Vous avez des lois françaises, notamment je pense à la loi sur la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Vous avez la réduction des énergies carbonées pour évidemment conduire vers une société décarbonée parce que réchauffement de la planète, etc. Vous avez dû traiter ça, évidemment. Il y a des textes de loi qui ont été mis en œuvre, mais ces textes de loi, il faut les faire entrer dans notre Constitution française. Et quand vous allez dire à EDF, qui construit ces centrales nucléaires, que c'est terminé, qu'on va lui fermer telle et telle centrale, et puis l'EPR, on le laissera fonctionner, mais c'est ça actuellement, hein, l'idée c'est qu'on laisse fonctionner l'EPR de Flamanville, mais que... On ferme la centrale de Fessenheim de sorte qu'il y ait un niveau de production d'énergie nucléaire qui soit stabilisé à une certaine zone. Mais EDF nous dit, mais et mon droit de propriété sur mes centrales ? Alors, on lui dit, ah oui, mais l'environnement, le développement durable, etc. Il y a des engagements internationaux, etc. Bon, mais vous voyez bien que ce ne sont pas des questions qui sont de toute évidence. Et qu'il faut évidemment trouver le raisonnement juridique qui va permettre à la fois de respecter la Constitution, puisque c'est quand même notre texte de base, et que tant qu'on ne l'a pas changé, elle est celle-là, et en même temps de s'adapter à des évolutions scientifiques qui vont souvent extrêmement vite et qui sont parfois source de grande incertitude. Juste un mot sur le climat, il y a la question du principe de précaution. Alors là, ça, une fois qu'on a parlé du principe de précaution, on a tout dit, sauf que nous, on est avec le principe de précaution entre les mains et on ne sait pas trop jusqu'où l'appliquer, ne pas l'appliquer, comment. Je ne parle pas ici des glyphosates. C'est bien une question de principe de précaution, hein, l'interdiction des glyphosates, bien sûr. Bon. Pour le moment, c'est une question de principe de précaution. Je ne parle pas de ça, puisque ce n'est pas un sujet que nous avons à traiter au niveau national, mais dans bien des cas, on nous oppose le principe de précaution. Ça a été le cas sur les gaz de schiste, par exemple. Alors, nous avons validé la loi française qui interdit la prospection sur les gaz de schiste. Ça a été fait au nom du principe de précaution. Mais jusqu'où ce principe est-il utilisable ? Jusqu'à quel moment est-il utilisable ? Je pourrais développer très longuement l'innovation numérique, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et autres, Amazon. Là encore, cette innovation numérique bouleverse complètement le champ du droit. Et on retrouve les problématiques que j'ai posées tout à l'heure et sur lesquelles je ne m'étends pas. Et puis j'insiste un tout petit peu sur la dématérialisation et la protection des données personnelles. L'émergence des big data et des stockages de données en tous sens bouleverse radicalement, là aussi, la manière dont on imagine la protection de la vie privée. La Convention européenne des droits de l'homme dont je vous parle est le texte, un des textes fondamentaux sur la protection de la vie privée, repris par la Constitution française. On ne peut pas porter atteinte à la vie privée, on ne peut pas rentrer chez les gens, prendre des informations, copier votre ordinateur, ça n'est pas possible. Enfin, on peut, dans le cadre d'une instruction judiciaire, etc., mais dans un cadre extrêmement précis avec une autorisation du juge. Bon. Or, aujourd'hui,
Avec l'économie numérique, les données circulent en tous sens. Et qu'est-ce que vous pouvez, comment vous arrivez à protéger les données personnelles alors que ces données sont évidemment extrêmement volatiles, surtout avec les big data. Donc c'est toute une nouvelle réglementation qui commence à se mettre en place. Et là aussi, la Commission européenne est en train de réfléchir à la mise en place d'un texte au niveau européen sur la protection des données personnelles, mais au moment où nous parlons, ce texte n'existe pas. Donc nous faisons avec les outils dont nous disposons dans la Constitution pour traiter des questions de big data, ce qui est quand même un petit peu décalé, puisque notre texte constitutionnel, encore une fois, il date 1789, on était loin du big data, 1946 et 1958. Bon, alors là, voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le choc frontal entre des mondes qui reposaient sur des valeurs différentes et puis un système qui a beaucoup évolué. Alors, ce choc frontal, il s'est évidemment traduit au moment de l'adoption de la loi renseignement. Vous savez, cette loi qui a été adoptée en août 2015 et qui donne d'importants pouvoirs aux autorités administratives, de très importants pouvoirs pour obtenir des renseignements. Alors, on va pouvoir poser une balise sur votre voiture, on peut rentrer chez vous ou on peut vous écouter. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent un peu à l'extérieur, là, avec des IMSI catchers, enfin, toutes sortes de techniques. On écoute au niveau, avec des techniques de renseignement internationaux, on peut écouter de très loin ce qui se passe sur vos téléphones, vos ordinateurs, etc. Tout ça, bon, très bien. Et donc, ce texte est arrivé chez nous. Alors, un texte qui a été pris, évidemment, après les attentats et justifié par la lutte contre le terrorisme. Notre Conseil constitutionnel donc, s'est retrouvé avec ce texte-là et avec l'enjeu de la protection des données personnelles. Bon, globalement, il y a eu des critiques. Hein. Globalement, nous avons validé ce texte. Je dis bien globalement parce qu'il y a des dispositions que nous n'avons pas validées. Mais nous avons validé ce texte parce que nous avons estimé qu'il y avait des objectifs impérieux d'intérêt général de lutte contre le terrorisme et malgré tout des systèmes de protection, puisqu'en réalité, à chaque fois qu'il y a un système de demande de renseignement qui est activé, il y a une autorité, la Commission nationale de techniques de renseignement, qui va contrôler la mise en place de ces techniques, qui va ensuite contrôler la destruction des données et qui va, le cas échéant, pouvoir également faire l'objet de voies de recours devant le Conseil d'État. Donc on a validé le système, mais ce que je voulais juste là vous montrer, au-delà de la pertinence de notre décision, c'est la difficulté devant laquelle sont les juges face à ces techniques qui sont évidemment et entièrement nouvelles et à cette multiplication des données auxquelles nous devons faire face. Ah oui, on l'a sait deux, trois. Ah oui, alors oui, je ne vous ai pas parlé de ça aussi, mais dans les histoires de climat, quand je vous disais que cela avait un impact tout à fait considérable sur les questions juridiques, une des questions qui se pose et qui ressort parfaitement dans le titre, l'intertitre de cet article, c'est l'idée de dire que les décisions en matière de climat, et notamment en matière énergétique, sont des décisions qui se prennent sur un temps tellement long que ce temps-là ne peut pas être celui des élus, qui est un temps très court. Vous êtes élu pour 5 ans, au mieux pour 10 ans, mais c'est un temps très court. Or, commencent à dire les experts en matière de climat, les décisions qui doivent être prises sont des décisions extrêmement difficiles, sur un temps très long, et donc c'est des décisions qui devraient être confiées, mince, à des agences indépendantes, c'est-à-dire pas à des élus, mais à des agences indépendantes qui, sur le long terme, géreraient la question du climat. C'est un vrai sujet juridique, celui-là. Est-ce que c'est acceptable que sur des questions aussi essentielles, ce ne soient pas des élus qui tranchent? Vous voyez que tout cela a un impact tout à fait considérable sur le droit. Troisième et dernier point, justice et démocratie. Voilà encore un autre lieu où les juges sont parfois dans une situation un peu compliquée. Alors j'ai mis juste en tête la question de l'état civil, qui n'est pas une question française évidemment, peu une question française, mais dans bien des pays,
L'état civil, c'est le début de l'état de droit. Et lorsque vous regardez les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, il y a bien des états où il n'y a pas d'état civil. J'étais l'autre jour à une réunion à l'Organisation internationale de la francophonie. Ils disaient qu'il y avait plus de 250 millions d'enfants qui n'avaient pas d'état civil. Donc si vous n'avez pas d'état civil, vous ne pouvez pas voter. Vous n'êtes pas électeur. Vous ne pouvez pas voter. Donc vous n'êtes pas dans une démocratie. Donc il n'y a pas d'état de droit. Et vous ne pouvez pas voter. Et tout le reste. Donc l'état civil, c'est un vrai problème de droit. Encore une fois, pas en France. Peu. Je dis peu parce qu'il y a des histoires avec justement liées à la procréation par GPA et savoir si des enfants qui sont issus d'une GPA et d'une gestation pour autrui effectuée à l'étranger, est-ce que quand ils reviennent en France, est-ce que la France peut leur donner un état civil ? C'est une histoire compliquée qui a été tranchée positivement par la Cour de cassation, mais c'est très compliqué. Bon, mais c'est vraiment epsilon là. Dans les démocraties contemporaines et notamment en France, là, la question des migrations est une question capitale auquel le juge est confronté. Alors, bien sûr, il y a des textes. Et en France, il y a des textes. Mais quand vous êtes face aux questions de migration massive, comme le connaît, comme en connaît notre monde d'aujourd'hui, quand vous devez accueillir dans l'Union européenne des millions de réfugiés, comme on devrait, je crois, les accueillir. C'est peut-être un débat. Il faut modifier nos règles juridiques. On vit avec des règles juridiques en Europe qui sont celles de la libre circulation et des accords de Schengen. Peut-être est-ce que les migrations qui se passent actuellement dans l'ensemble des pays du monde supposent de relire ces règles pour les modifier ou pas, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement sur ce qu'il faut faire. Mais je dis simplement qu'on a des règles qui ont été établies à un temps T et qu'aujourd'hui, ces règles sont confrontées à des réalités qui ne correspondent plus à elles. Et donc, il faut forcément les relire pour les assouplir ou au contraire les renforcer, je ne sais pas, peu importe la tendance. Mais il y a cette question-là. En attendant, le juge est là. Et la question, je le disais en commençant, la question de l'accueil des réfugiés en France est une question juridique. En permanence, les juges sont confrontés à des contentieux sur, encore une fois, la rétention administrative des étrangers, avec des lois qui changent très fréquemment, puisqu'il y a une loi française qui a changé à nouveau en 2015. Donc il y a sans arrêt des évolutions dans ce cadre-là. Je pourrais développer sur la question nationalité-citoyenneté, qui est également une vraie question juridique importante. Je ne parlerai pas ici de la déchéance de nationalité. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Sachez simplement que la déchéance de nationalité existe en France, aujourd'hui. Elle existe depuis longtemps dans notre code civil, mais elle n'est possible que pour les binationaux. Mais elle existe, voilà, le texte est dans le code civil, bon, peu importe. Ce que je voulais dire là, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons sur un système où vous êtes forcément citoyen de l'État dont vous êtes national. Vous êtes citoyen français parce que vous êtes né en France. Et donc, vous allez avoir le droit de vote en France, tous les droits attachés à la citoyenneté en France. Et que la question peut aujourd'hui se poser de savoir s'il ne faut pas découpler citoyenneté et nationalité. Est-ce que un Allemand qui travaille en France chez Airbus pendant 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il ne faut pas qu'il acquière un certain nombre de droits de citoyenneté ? Il en a déjà par la citoyenneté européenne. Mais est-ce que cette expérience-là qui vaut pour la citoyenneté européenne, elle ne peut pas être ouverte à d'autres ? C'est une question qui se pose. Ce n'est pas une question que les juges ont à trancher, ça je le reconnais, mais c'est une question qui se pose et qui est liée aussi au phénomène migratoire. En revanche, dans les questions qui se posent, la liberté d'expression, juste un mot là-dessus. Vous allez me dire quoi, la liberté d'expression ? Ben oui, la liberté d'expression. En France, la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse, on va dire, et puis de l'audiovisuel. 1881, liberté de la presse, un peu plus tard, l'audiovisuel. Et aujourd'hui, mais tout ça n'existe plus. Qui lit les journaux, à part moi ? Quasiment personne.
vous êtes sur Internet. On lit les journaux sur Internet, on regarde Internet, Wikipédia ou ce que vous voulez, enfin peu importe, aucune importance. Bon. La question, c'est qu'il faut réécrire la liberté d'expression pour une information qui aujourd'hui est devenue complètement dématérialisée. Donc aujourd'hui, vous avez des éditeurs numériques et puis des hébergeurs numériques. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. L'éditeur, celui qui fait le site, il est responsable. Est-ce que l'hébergeur est responsable de ce qu'il héberge ou pas, et dans quelle mesure? Voilà des questions concrètes auxquelles les juges ont à faire face et sur lesquelles nous avons dû trancher. Quel est le niveau de responsabilité de l'hébergeur? Est-ce qu'il peut héberger des contenus qui seraient illicites, pédophilie, incitation au terrorisme, etc. Quelles sont ses possibilités? Voilà les questions que nous avons à trancher. Voilà les questions que nous avons à trancher. Nous sommes loin de la liberté de la presse au sens classique du terme. Pourtant, celle-ci existe encore au travers de la liberté d'expression. J'ai parlé là des lois mémorielles. Véritable question aussi, je n'ai pas le temps là de détailler tellement, mais nous avons eu une question sur effectivement, est-ce qu'on peut limiter la liberté de la presse pour interdire les incitations à la haine raciale, à l'antisémitisme, jusqu'où on peut les interdire? Est-ce qu'on interdit uniquement pour les crimes liés à la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'on les interdit pour des crimes contre l'humanité plus récents? Voilà des vraies questions que nous avons à traiter et qui font l'objet parfois d'hésitations des juges. Voilà, et je pourrais développer, mais je ne vais pas plus loin sur la question de la transparence, qui est aussi une vraie question que nous traitons fréquemment, avec ces nombreuses lois sur la transparence de la vie publique qui ont été adoptées et qui, dans leurs applications, évidemment, laissent les juges dans un terrain très, très innovant sur lequel ils doivent parfois hésiter. Voilà, donc tout cela forme une véritable réflexion sur la démocratie, réflexion qu'il est d'autant plus important de conduire que sans doute vous avez également vu que nos démocraties fondées sur l'idée d'état de droit sont aujourd'hui de plus en plus contestées. Je ne parle pas ici des régimes improbables de pays aux confins du monde, je parle de l'Europe et je parle par exemple de la Pologne et je parle d'autres pays très proches de nous, qui disent clairement, qu'ils ne veulent plus de démocratie libérale. Et je pense à Viktor Orban notamment, qui a dit clairement que lui, il voulait une démocratie non libérale. Une démocratie parce qu'à un moment donné, il faut bien que les gens élisent quand même, ça oui, d'accord. Mais une fois que les électeurs ont fait leur travail, eh bien écoutez, la liberté de la presse, tout ça c'est pas utile, il faut le travail, la valeur nationale et des choses comme ça. J'ai les citations, soit je me plonge dans mes papiers pour vous donner la citation exacte, mais en gros c'est celle-là. Et donc c'est l'émergence d'un nouveau concept au sein même de l'Union européenne, celui de démocratie non libérale. Et donc c'est un vrai sujet sur lequel les juges évidemment sont interpellés, non pas directement, on n'a pas un conflit avec, pas nous, Conseil constitutionnel, mais la Cour européenne des droits de l'homme, oui. Jusqu'où acceptera-t-on que l'un des pays membres de l'Union européenne puisse venir frontalement heurter les valeurs auxquelles il est censé avoir souscrit, signé, lorsqu'il a adhéré à l'Union européenne? Comment faisons-nous cela? Et donc, vous voyez bien que les juges, là, ont aussi un véritable enjeu. Alors là, j'avais juste trouvé, je ne sais plus dans quel journal, voilà, c'est assez intéressant. Au fond, ça c'est un billet évidemment chinois avec le portrait de Mao. Et le titre, au fond, le miracle chinois, il a déjà eu lieu par l'économie. Et aujourd'hui, c'est par l'état de droit qu'il y aura un véritable miracle chinois, c'est-à-dire par la liberté d'expression, etc., qui n'est pas encore installée, même si c'est une société très capitalistique, etc., enfin assez capitalistique, mais c'est l'état de droit qui manque. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, je voulais juste vous montrer dans cette deuxième partie, je dirais, les zones d'incertitude. Alors, je crois que on ne peut pas dire que la prévision ou la prospective soit absente de la règle de droit. Ça n'est pas
possible de dire cela. De plus en plus d'ailleurs, lorsque le Parlement français, par exemple, vote des lois, il est obligé de faire des études d'impact. Et nous, Conseil constitutionnel, on vérifie que ces études d'impact soient bien faites. Si par hasard elles n'étaient pas faites, on pourrait sanctionner la loi. Donc une étude d'impact, c'est-à-dire de dire « Ah ben si le Parlement vote telle loi, il va se produire telle chose ». Donc bien sûr, la législation, elle est en partie prospective. Mais elle ne va peut-être pas assez vite. Alors quand elle ne va pas assez vite, eh bien c'est la jurisprudence, c'est-à-dire le juge qui s'adapte. Et parfois le juge, ben, il va s'adapter plus vite que la règle. Et je vous cite l'exemple du mariage pour tous. Je ne prends pas parti là, sur le point de savoir si on est pour ou contre, ce n'est pas le sujet. Lorsque le mariage pour tous a été voté en France, en mai 2013, après, vous le savez, des manifestations, des contre-manifestations, etc., et bien, ça faisait longtemps que la Cour européenne des droits de l'homme avait accepté le mariage pour tous. Et donc, on voit bien que dans un certain nombre de cas, le juge va prendre des initiatives. J'ai pris cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Le juge prend des initiatives avant même que la loi n'ait bougé. Avant même que la loi n'ait bougé. Et la loi va venir bouger après pour constater finalement les comportements ont évolué avant elle. Donc le juge est dans cette zone d'incertitude et évidemment il va tenter de frayer un chemin. Alors, une des possibilités, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation, qui est tout à fait possible, elle est d'ailleurs constitutionnellement reconnue. Quand on ne sait pas trop comment faire face à une situation nouvelle, il est toujours possible d'engager une expérimentation, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes, soit sur des parties du territoire, soit sur des parties de la population, qui vont expérimenter des choses nouvelles. Et cette expérimentation, qui par définition sera en rupture avec le principe d'égalité, quand vous expérimentez quelque chose, c'est en rupture avec le principe d'égalité, puisque ça ne s'applique pas à tout et partout. Et donc là, on admet cette possibilité, la Constitution l'admet, et nous, Conseil constitutionnel, nous l'admettons. Et on peut imaginer que face à des situations complètement nouvelles, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'économie, etc., ce principe de l'expérimentation puisse être mis en œuvre. Voilà, alors en conclusion générale, trois réflexions. Est-ce qu'on peut en France aujourd'hui parler d'une justice de classe ? J'ai pas le sentiment. Je dis pas qu'il n'y a pas des zones sur lesquelles on peut s'interroger. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse aujourd'hui parler d'une justice de classe. Regardez par exemple, ce n'est qu'un exemple mais qui est très symptomatique, celui des jurys d'assises. Bon, il y a toujours eu des jurys d'assises, mais depuis, une vingtaine d'années, on a modifié la composition des jurys d'assises. Aujourd'hui, pour finir face à l'accusé, il faut que vous soyez passé par toute une série de tirages au sort qui fait que finalement le jury qui sera composé est en capacité de refléter toutes les couches de la société. Vous avez 4 tirages au sort. Alors un pour composer la liste, après un pour la liste annuelle, après un pour la liste par session et après pour le tirage au sort du jury. Donc vous avez toute une série de tirages au sort qui fait que finalement ce qui va sortir va brasser l'ensemble des catégories sociales. C'est un exemple symptomatique simplement. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans un système de justice de classe. Pour toutes les garanties que j'ai évoquées devant vous, que j'ai survolées devant vous, parce que les victimes aujourd'hui sont quand même plutôt assez protégées également, et donc je pense qu'il est difficile de parler d'une justice de classe. Seul le temps, est un élément qui pourrait réintroduire une justice à plusieurs vitesses entre ceux qui ont les moyens d'attendre, je vous disais, et ceux qui n'ont pas les moyens d'attendre. Le temps et également la capacité à se frayer un chemin dans le maquis des institutions juridictionnelles. C'est certain que là, c'est évidemment une complexité qu'il faut savoir surmonter.
Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, la Fontaine n'a plus entièrement raison, sans doute. Mais c'était 1679, selon que vous serez puissant ou misérable. Alors, est-ce que... Mais vous avez peut-être une opinion différente, ce que je pourrais aussi entendre. Deuxième question, qui est peut-être plus intéressante, et qui est surtout liée à ma deuxième partie, finalement. À partir du moment où vous avez des zones interstitielles, où le droit n'est pas encore construit, à partir du moment où le juge se garde un pouvoir d'apprécier en équité extrêmement puissant, est-ce que finalement on n'est pas sur le risque d'un gouvernement par les juges ? C'est évidemment une question qui est toujours latente, toujours puissante, qui est crainte ou espérée, je ne sais. En tout cas, c'est une question qui est posée. J'ai le sentiment que pas tout à fait, voire même pas vraiment, parce que le Parlement peut à tout moment reprendre la main et que jamais le juge n'écrira la loi. Lorsque vous regardez le travail que fait le Conseil constitutionnel, on dit de manière un petit peu familière que le Conseil constitutionnel tient la gomme, mais pas le crayon. Autrement dit, le Conseil constitutionnel, il peut toujours dire d'une loi, elle est contraire à la Constitution, je l'efface. Mais il ne peut jamais écrire la loi. Pour écrire la loi, il va renvoyer au législateur. Jamais un juge ne peut écrire la loi, il peut la compléter, plus ou moins, mais il ne peut pas écrire la loi. Et donc, la permanence de la puissance du législateur me semble être un paravent extrêmement important pour lutter contre le gouvernement des juges. Enfin, dernière question, qui est une vraie question, c'est que, bien sûr, il ne peut pas y avoir de progrès du droit et donc de progrès de la justice sans volonté politique, ce qui suppose, évidemment, qu'au-delà de la sanction des élections qui intervient de manière très scandée, et très régulière, les élus aient vraiment la volonté soit de travailler de manière prospective, soit de travailler de manière cohérente pour faire progresser les garanties des justiciables. Voilà, et donc j'avais été très intéressée par cette réflexion, un manifeste pour le progrès social qui est en cours de rédaction par des scientifiques, des juges, des hommes politiques de tous les pays du monde et qui devrait sortir en 2017 et qui serait, paraît-il, une manière transdisciplinaire d'aboutir à des propositions innovantes pour une société qui est en pleine mutation. Et je trouvais que ce manifeste pour le progrès social serait peut-être un appui pour les juges aussi, bien entendu, pour les juges qui se trouvent souvent en difficulté, puisque, comme le dit Verlaine, qui peut sans frémir juger sur la terre, et c'est ce que je vis en tout cas tous les jours, où je frémis des décisions que nous rendons. Je vous remercie. Des chaises et on va s'installer. Alors c'était des vrais livres de droit en plus, hein, avec toute une série de codes formidables. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet exposé fascinant. On va demander aussi à Marie de se joindre à nous. Nous avons un peu de temps pour des questions. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Merci pour cet exposé qui a montré donc la nécessité, l'utilité, la beauté du métier de juge. Il y a un point quand même qui m'impressionne, c'est que on n'est pas tellement habitué à entendre ces sujets. Vous vous êtes vous-même demandé, je m'adresse à Nicole,
Vous êtes vous-même demandé si les gens dans la salle connaissaient la différence entre le juge judiciaire et le juge administratif. Alors c'est une question qui est à la limite entre votre métier actuel et le métier précédent de recteur, hein, de rectrice. Est-ce qu'un motif de questionnement essentiel ne serait pas aussi le fait que tout ça soit si mal connu, n'est pas enseigné du tout, n'est pas compris? Alors vous avez évoqué le jargon, vous avez dit que les jugements étaient plus explicites, plus clairs qu'auparavant. Il en demeure pas moins que il y a quand même un jargon judiciaire. Est-ce qu'on a progressé de ce côté-là? Est-ce que la population dans son ensemble comprend mieux les règles du jeu judiciaire? Je ne sais pas, c'est la salle de répondre. Moi, d'une certaine manière, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment avoir été confronté d'une manière ou d'une autre, à la justice pour essayer de comprendre approximativement son fonctionnement. Alors, ça pourrait être l'objet de l'école, je ne sais pas, de dire deux, trois mots là-dessus, je ne suis pas sûre que ça ait le moindre impact. En tout cas, il me semble en tout cas que c'est un point important pour exercer sa vie de citoyen. C'est-à-dire, je crois que c'est quand même un des enjeux majeurs de notre organisation sociale que de savoir qui rend la justice. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tas par la haie qui est entre nos maisons. Oui, par exemple, parce qu'on s'est engueulé pour la haie ou pour je ne sais quelle autre raison. Mais il me semble que c'est quand même un point important de savoir qui rend la justice et comment la justice est rendue. C'est banal ce que je dis, mais je crois que c'est quand même très important que tous les citoyens devraient un petit peu savoir cela. Parce que ça fait partie, je crois, de qui gouverne au fond. C'est ça, moi, qui me... il me semble que le vrai sujet, c'est qui gouverne dans un pays. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que ce sont les représentants du peuple? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les juges? Et sans doute un peu tout le monde. Mais dans quelles limites? En tout cas, je crois que c'est quelque chose qui mérite une interrogation. Et bon, je ne sais pas comment on pourrait le faire comprendre, peut-être par les médias aussi. Merci. Donc la parole est à qui la souhaite, pour Nicole Belloubet ou pour Marie Mercadal, bien sûr, ou pour les deux. Bonsoir. Oui, où êtes-vous? Je suis là. Ah oui, pardon. Oui. Je voulais déjà saluer la prestation artistique, les deux prestations artistiques que j'ai beaucoup appréciées, et puis bien sûr saluer aussi la prestation de Madame Belloubet qui nous rend... c'était très passionnant, on voit que vous êtes passionné et vous avez su passer vraiment un message clair. J'ai deux questions, une pour les artistes. La dernière prestation, justement vous disiez que le jargon est un peu opaque, et cette prestation où tout d'un coup vous balancez tous les papiers où c'est la pagaille, est-ce que c'est une façon aussi de dire que c'est un peu opaque la justice? Ça c'est ma première question pour vous. On va peut-être laisser y répondre. Oui. Alors, pour la deuxième partie, je me suis servi de mes propres représentations de la justice, en fait. Donc oui, quelque part, c'est opaque, parce que pour moi, c'est pas mon milieu à moi. Enfin, pour préparer la carte blanche, c'était pas rien comme sujet de me retrouver confrontée à réfléchir à voilà, la justice, l'injustice, le juste, la morale, le droit. Enfin, c'était... très large. Et pour moi, l'amas de feuilles blanches, c'est aussi parce que dans ma représentation, j'imagine des gens comme des avocats qui ont des tonnes de dossiers, des tonnes de papiers, et où c'est mes représentations. Peut-être que je me trompe complètement. Après, c'est aussi l'administration française qui est comme ça dans beaucoup de contextes. Mais dans la justice, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a comme l'accusé qui va se retrouver... en papier, quoi, enfin, quelque chose qui est déshumanisé, ou enfin, donc du coup il y a quelque chose de blanc, enfin il y avait quelque chose de blanc ou qui revenait dans quand je réfléchissais à comment interpréter toutes les questions qui se passaient en moi. Et donc voilà, les feuilles, c'était aussi voilà le côté administration, ce qu'on écrit, la lourdeur, probablement, enfin. Enfin, j'imagine, enfin, quand on sait qu'un accusé, il va passer au tribunal 3 ans après avoir commis une faute, enfin, c'est se dire, on peut avoir oublié, enfin, 3 ans, si c'est un petit truc, on a le temps d'avoir. Enfin, c'était la cause un peu humaine ou sensible où je me suis dit, mais voilà,
enfin, quelqu'un qui n'a pas trop de mémoire, il a oublié. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a écrasé un chat ou je ne sais pas. Et il se retrouve... Enfin, je ne sais pas, enfin, ça doit être terrible. Et l'avocat, il se retrouve face à des papiers. Et ça doit être aussi des... Ça doit être très, extrêmement compliqué aussi de se retrouver face à des papiers dans des situations très sensibles. Ou, enfin, après, dans le texte de... qui a enregistré, il y a quelqu'un qui l'a dit, le juge va décider de la vie de quelqu'un. Et enfin voilà, c'est... j'espère répondre à votre question. Juste si je peux ajouter, Marie a à la fois tort et raison. Elle a tort sur l'amas des papiers, parce qu'aujourd'hui, moi dans mon bureau, il y a 3 ordinateurs, point. Il n'y a pas un papier. Tout est dématérialisé. Mais vous avez raison, je trouve sur la feuille blanche, parce que le travail du juge... c'est bien d'écrire sur une feuille blanche ce qui va arriver aux parties qu'il a en face de lui. Donc moi, je lis la feuille blanche pas tout à fait comme vous le lisiez. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on va, on peut tomber d'un côté ou de l'autre et qu'il va falloir écrire quelque chose sur la feuille blanche qui est devant nous. Je vous donne la parole tout de suite, madame. Mais pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait demander à Nicole Belloubet un tout petit peu de... d'éclairage sur la manière dont vous travaillez, parce que donc on comprend qu'au Conseil constitutionnel vous êtes neuf plus quelques anciens présidents quand ils viennent encore ou peuvent venir, et on comprend que vous avez des centaines de cas, de questions qui arrivent, etc. Donc comment ça marche? Vous avez 500 juristes qui vous aident, qui vous font des propositions, qui vous expliquent les décisions possibles, et ensuite vous votez à neuf? La fin est juste. C'est la phase médiane qui n'est pas tout à fait... Non, on est très très peu nombreux. Il y a au Conseil constitutionnel, c'est invraisemblable, 4 juristes. 4. J'ai pas dit 40, j'ai dit 4 juristes de très très haut niveau qui s'appuient sur, on va dire, 4 ou 5 autres juristes. Mais c'est tout. Voilà. Et un service de documentation et un greffe. Mais des juristes, non, on est très peu nombreux. Et donc, nous travaillons seuls. Les membres du Conseil sont seuls. Ils travaillent seuls, sauf quand ils décident. Hein, lorsque nous délibérons, nous sommes à 9 ou à 10 quand le président Giscard d'Estaing est là. Et nous délibérons à ce nombre-là. Mais sinon, nous travaillons seuls sur les dossiers. Donc, c'est un métier, je trouve, de très grande solitude. Merci. Alors, madame, ma deuxième et dernière question. Donc, madame Belloubet, vous avez conclu en parlant du manifeste du progrès social, en disant que la société était en pleine mutation. Et je me faisais la remarque que le thème d'aujourd'hui, c'était le progrès dans la justice. Moi, je l'associerais à l'évolution de la justice. Et finalement, est-ce que cette évolution de la justice n'est pas le curseur de cette société qui, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, est en grande évolution, tant sur le plan économique, familial, climatique, etc. Est-ce que vraiment ça, c'est pas un curseur de l'évolution d'une société lorsque la justice a parfois du mal à rendre justement la justice, ou lorsque, effectivement, il y a une avancée du droit? Je ne sais pas si je comprends parfaitement le sens de votre question, madame, mais vous pourrez peut-être le reprendre. Si vous voulez, je reprends ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a de vrais progrès dans le domaine de la justice, quant à la protection des justiciables, etc., les possibilités qui leur sont offertes, je crois. En tout cas, en France, c'est assez indéniable. Enfin, il me semble, en tout cas. Je crois qu'il y a une zone de flottement dans laquelle les juges sont pris, bien sûr, dans cette zone de flottement qui est, bien entendu, celle de la construction, comme vous le soulevez, de cette société extrêmement différente. Que les juges essayent de tenir un cap, mais c'est un cap qu'ils construisent en même temps que la société évolue et souvent avant que la règle de droit ne soit posée de manière définitive. Et donc, dans ce cap-là, il y a une forme de zone d'incertitude, bien sûr, dans laquelle aujourd'hui se trouve sans aucun doute la justice sur un certain nombre de thématiques, hein, pas surtout sur l'histoire de la haie entre Olivier et moi, là, on n'a pas aucune incertitude sur la règle, mais sur dans des données comme, encore une fois, sur l'économie numérique, sur l'économie collaborative, sur toutes ces questions-là, oui, il y a des zones incertaines et le juge,
Et lui aussi assez mal à l'aise, bien entendu. Est-ce que le droit progresse de la même façon, par exemple, aux États-Unis ? Parce que, une boutade classique consiste à dire que quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Donc, toutes ces questions sur Uber et dont vous avez parlé, par exemple, l'économie numérique, est-ce qu'elles sont perçues de la même façon aux États-Unis ? Non, ce n'est pas perçu de la même manière parce que notre droit n'est pas construit de la même manière. C'est-à-dire que le droit fondé sur la common law est un droit qui est extrêmement différent dans sa conception de notre droit romano-germanique, qui est un droit très, très encadré et finalement assez strict, alors qu'on prétend que le droit de la common law serait plus souple et permettrait plus facilement d'innover. Bon. Je crois que c'est un schéma qui est un peu simpliste, mais qui témoigne d'un fond historique qui n'est pas faux aujourd'hui, qui est sans doute dépassé, mais qui témoigne d'un fond historique qui n'est pas faux. Oui. Oui, je vous ai trouvé un petit peu optimiste. Tant mieux, c'est un compliment. Pour un certain nombre de juges, on a eu quand même ces dernières dizaines d'années quelques fiascos judiciaires assez impressionnants. Alors qu'il existe une police des polices qui est très sévère envers les policiers, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est en général pas très méchant avec les juges. Je pense par exemple à l'affaire Doutrou, où finalement on arrive à une promotion et non pas à une sanction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que le juge en général se sente un peu impuni? Je dirais que les conséquences de l'affaire Doutreau sur le plan général se sont traduites par une évolution des procédures dans le déroulement de l'instruction. C'est-à-dire que cette affaire-là a donné lieu à des évolutions dans l'organisation de l'instruction, des évolutions générales. Bon, après, la situation individuelle de tel ou tel, bon, très bien, dont acte. Mais, si vous voulez, je crois que c'est moins la situation personnelle qui est arrivée au juge en question que la réaction globale qui a été prise après les difficultés qui sont nées du procès d'Outreau, qui est intéressante. Et par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va acquérir encore plus de pouvoir et d'indépendance, puisqu'il sera désormais le seul à pouvoir donner un avis sur la nomination et sur les sanctions des magistrats, et que le pouvoir exécutif va de plus en plus être coupé du Conseil supérieur de la magistrature. L'idée, c'est qu'il faut vraiment renforcer l'indépendance des magistrats et donc conforter le pouvoir du CSM. C'est dans ce sens que va aujourd'hui l'histoire de la législation française. Pendant qu'on est sur la justice pénale, vous n'avez pas du tout prononcé le mot d'erreur judiciaire. Est-ce que les erreurs judiciaires sont suivies ? Est-ce que c'est évalué ? Est-ce qu'on a une idée s'il y en a plus ou moins qu'il y a une trentaine d'années ? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne suis pas juge judiciaire. Je n'ai pas suffisamment d'expérience dans ce domaine-là. Bon, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a toujours eu des erreurs judiciaires. Je ne crois pas qu'il y en ait ni plus ni moins. Il y en a toujours eu. Et je dirais que ce sont des épiphénomènes, même si ce sont des phénomènes extrêmement douloureux quand ils se produisent pour ceux qu'ils concernent. Mais je dirais que ce n'est pas à ces quelques erreurs judiciaires-là qu'on juge de la qualité d'un système juridictionnel. Du moins, c'est mon sentiment, même si... On peut se poser la question, par exemple, si l'analyse de l'ADN a permis de changer brutalement, dans un sens ou dans l'autre, le pourcentage d'erreurs judiciaires, par exemple. Oui, mais ça, certainement, oui. Oui, ça, certainement. Et le secret de l'instruction ? Nous le réaffirmons comme un point fondamental. Dans une décision extrêmement récente, qui s'appelle Monsieur Gilbert A, puisque vous savez que dans les décisions, comme nous respectons
évidemment l'anonymat des personnes, enfin l'anonymat, oui, toutes nos décisions s'appellent Gilbert A, pour un magistrat très célèbre, qui a beaucoup travaillé dans l'affaire des écoutes dont vous parlez, dont, pardon, qui sont dans votre esprit. nous avons réaffirmé le caractère absolument incontournable du secret de l'instruction et du secret du délibéré. Parce que c'était une des questions qui, justement, avait à voir avec cette question-là. En fait, bon, c'est l'affaire Azibert, hein, bien sûr, dont je parle ici, et qui a été portée devant le Conseil constitutionnel pour savoir si, dans certaines situations, le secret du délibéré et le secret de l'instruction pouvaient être rompus. Nous avons réaffirmé que c'était impensable, qu'il fallait absolument préserver le secret de l'instruction et le secret du délibéré, parce que c'était une des conditions de l'indépendance de la magistrature et de l'indépendance des juges. Bon, après, il y a forcément, comme toujours, des cas où le secret de l'instruction n'est pas respecté. Et voilà, on trouve des situations de cette nature qui sont inacceptables. On en trouve partout. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé de l'isolement des juges. De l'isolement des juges. Non, j'ai parlé du mien. Hein. Non, mais enfin, globalement, oui. Vous avez dit également que la justice était en progression quand il y avait une volonté politique de soutenir cette progression. J'entends bien ça. L'autre jour, en écoutant la radio, l'autre matin, et c'est à la suite du procès d'Outreau, on avait indiqué que le juge d'instruction ne pouvait plus opérer seul et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit plus collégial pour pouvoir justement mener cette instruction. Et on avait décidé de mettre en place 3 juges. Et puis j'ai entendu l'autre jour que pour des problèmes de moyens, on allait revenir à un seul juge, c'est-à-dire que d'un isolement de départ sur un travail plus collaboratif et collectif, on revenait sur un isolement. Donc là, on n'est quand même pas très en progrès, d'après vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire que la réponse collective, c'était la réponse que je vous faisais à l'instant, c'est-à-dire qu'à la suite du procès d'Outreau, on a eu une réponse collective. Bon, il y a eu la question individuelle du juge, mais il y a eu la réponse collective qui était de passer à une instruction plus collégiale. Et c'est vrai qu'actuellement, dans le projet de loi qui est en cours de discussion, on revient sur cette instruction collégiale parce que l'idée, là, en tout cas pour le moment, c'est d'arriver à décharger la magistrature pour libérer des juges, pour pouvoir rendre des jugements plus vite, plus rapides. Eh bien, je ne sais pas si c'est un raisonnement juridique très pertinent, ce qui était avant, il était mieux que maintenant, mais enfin, en tout cas, je pense que la loi sera votée, que les lois vont être votées à une majorité suffisamment importante pour qu'on ne soit pas saisi. Mais sait-on jamais, et en tout cas, on peut l'être à tout moment par le biais de QPC. Non, il faut que tu sois justiciable. C'est pas un citoyen qui peut nous saisir, il faut que tu sois en conflit avec quelqu'un. Mais il y a des procès peuvent se monter. Hein. Oui. Enfin, oui, pour, c'est vrai que c'est un peu curieux. Oui. Oui. Bonsoir. Attendez, vous êtes où ? Là, je suis là. Je suis... Ah, pardon. Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme de cour constitutionnelle, mais est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel peut-il prétendre au statut de cour constitutionnelle? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est au niveau des décisions du Conseil constitutionnel, pour les avoir étudiées en cours et pour avoir écouté certains professeurs de droit qui disaient que les décisions du Conseil constitutionnel gagneraient en légitimité si elles étaient plus explicitées, notamment plus longues et en rapport aussi avec la justice, la jurisprudence européenne. Toute. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous êtes étudiant en droit? Oui, en master. Ça s'entend. Alors, la première question, est-ce que le Conseil est une cour constitutionnelle? Oui, hein, clairement. Bon, ça s'appelle toujours Conseil constitutionnel pour qu'il en soit autrement. Il faudrait changer la Constitution. Il n'y a pas de majorité actuellement pour changer la Constitution d'aucune manière. Donc, ça ne va pas advenir. Mais oui, c'est une cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on est une juridiction. Il y a...
vous pouvez le prendre de quelque manière que vous voulez. Depuis l'introduction de la QPC, on est une juridiction, c'est-à-dire que on a des parties devant nous, des procédures contradictoires, une procédure publique. On est vraiment une juridiction, et donc on rend un jugement sur un procès qui est fait à la loi. Bon, c'est la seule singularité, mais on est une juridiction au sens de Marcel Valine, que je vous conseille de relire dans les propos introductifs des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Ça, c'était codé. Et pour la deuxième question, les décisions plus explicites, mieux motivées. Alors, le président Fabius, qui est donc le nouveau président du Conseil constitutionnel, a impulsé une nouvelle écriture des décisions du Conseil constitutionnel depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, on écrit les décisions différemment. Pour autant, la motivation de nos décisions, pour tous les autres, la motivation, c'est au fond ce qui va soutenir la décision finale. Hein, pour quelles raisons est-ce qu'on décide ça? Et nous avons en France une écriture de nos décisions qui est très serrée. Une décision du Conseil constitutionnel en France, elle va faire, alors je dis n'importe quoi, mais elle va faire entre 2 et 5 pages au maximum. Bon, parfois un peu plus, mais c'est très serré, c'est très dense et c'est pas très développé. On vous dit, les requérants disent qu'il y a atteinte au principe d'égalité. En réalité, il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité, la décision est conforme. Point. Alors évidemment, c'est un peu court comme motivation. Et donc, il est vrai que pour le moment, nous sommes dans une motivation qui n'est pas très explicite. Je pense que peu à peu, la nouvelle écriture qui vient de se mettre en place va entraîner une nouvelle façon de raisonner, et donc sans aucun doute une motivation un petit peu plus forte dans les années qui vont venir. Mais c'est un vrai sujet sur lequel il faudrait discuter beaucoup plus longuement. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on aboutisse à des décisions du type Cour européenne des droits de l'homme, où il y a 100 pages pour une décision, où vous ne savez pas où vous en êtes quand vous en êtes au milieu, vous ne savez pas qui parle, qui pour dire quoi, on ne sait plus où on en est. Donc je pense qu'il faut garder la rigueur et la concision du raisonnement, pour autant expliciter davantage. Merci. Donc ça évolue dans le sens que vous souhaitez, monsieur, dès que vous serez au Conseil constitutionnel, vous pourrez... Une chance sur 9. Enfin, sur 4, hein, parce que vous êtes un homme, donc sur 4. D'accord. Sur 4,5. Donc, deux petites questions. Oui, vous pouvez vous ici manifester. Oui, pardon. Donc, deux questions. Une première question, c'est: pensez-vous que la justice a une valeur éducative, et notamment nous parler un peu de la récidive et éventuellement ce qu'il peut y avoir autour de ça? Et deuxième question, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, enfin, ce qu'elle nous a montré, Mme Mercadal, que penser de la relation internationale aujourd'hui entre certains États qui nous parlent de justice divine et de justice des hommes? Je ramasse les copies dans 4 heures. Valeur éducative, oui, monsieur, bien sûr. Je pense que la justice a une valeur éducative. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est un petit peu la première question dont on parlait tout à l'heure. La justice n'est pas assez montrée, au sens où elle n'est sans doute pas assez ouverte. Moi, j'avoue que je trouve ça formidable quand on peut accueillir des jeunes. Hein. Toutes les institutions juridictionnelles sont ouvertes au public. Alors évidemment, on n'y rentre pas comme dans un moulin, mais enfin, je trouve qu'elles doivent être montrées plus qu'elles ne le sont. Je crois que c'est très, très important. Et bien sûr, les décisions de justice ont une valeur éducative. Alors la récidive, je ne sais pas très bien ce que vous voulez que je vous dise là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que la sanction a par elle-même, vous le savez, une double valeur. La sanction, elle est punitive et elle est éducative. Et c'est la raison pour laquelle cette double valeur de la sanction, elle doit être mise en exergue avec beaucoup de finesse par le juge, qui donc doit toujours rendre une sanction proportionnée. C'est dans la Constitution, adaptée au cas singulier, etc. Alors, sur la question de la récidive, bon, il y a évidemment différents textes qui ont évolué. Je crois aujourd'hui qu'on essaie d'évoluer vers des sanctions pénales qui sont extrêmement diversifiées, pour éviter justement ce type
difficultés autour de la récidive. Et les nouvelles sanctions qui viennent d'être mises en place, comme la contrainte pénale, qui est une sanction récente, hein, qui date d'il y a un an à peu près, qui est donc une sanction qui est effectuée à l'extérieur de la prison, sont des sanctions qui ont été mises en place pour éviter les récidives qui sont trop souvent constatées à l'issue de sanctions pénales classiques. On peut-être poser une question à Marie Mercadal, parce que bon, quand vous ne faites pas de... Ah oui, pardon, je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question. Hein. Mais c'est Marie qui m'y fait penser sur justice divine et oui, j'ai beaucoup apprécié la première partie, la deuxième aussi, mais la première partie de votre travail. Bon, ce type de d'état dans lequel il y aurait une justice que je ne qualifierais pas de divine, mais que je qualifierais de droit naturel. Parce que ça peut être divin ou venu de je ne sais où. Hein. Pour moi qui suis très cartésienne et très imbibée de l'esprit de la France du XVIIIe siècle, d'un esprit rationnel, ça me semble inconcevable et complètement orthogonal à notre système d'état de droit. Mais c'est précisément ce qui est rejeté dans un certain nombre d'États. C'est-à-dire que l'État de droit, encore une fois, c'est un État qui précisément a pour but d'encadrer le pouvoir. C'est le seul but de l'État de droit, c'est d'encadrer le pouvoir, de mettre en place des systèmes de contre-pouvoir et de respect de la norme supérieure. Chaque norme devant nécessairement respecter une norme supérieure, la norme suprême étant la Constitution. Mais tout ça, c'est des règles de droit. Et évidemment, on est dans l'opposé total d'une justice qui dépendrait d'un ordre naturel, fondé sur je ne sais quelle valeur ou justice divine. Il nous reste du temps pour encore, disons... Et Marie peut peut-être répondre là-dessus. Pourquoi elle a fait cette première partie ? Moi, ça m'intéresserait. Alors, vraiment d'où c'est parti dans... De mon inspiration de départ, c'est qu'il y a une poète en ce moment qui est emprisonnée en Iran, qui s'appelle Fatemeh Ektezari. C'est très dur d'avoir des informations sur elle. Enfin, moi, j'avais entendu parler d'elle parce que j'avais lu L'Orient littéraire quelques fois. Enfin, voilà. Et donc, c'est une poète qui s'est pris des coups de fouet parce qu'elle a écrit, quoi. Donc, moi. Directement, c'est quelque chose où j'avais envie de parler d'elle d'une manière ou d'une autre, parce que ça m'a touchée que quelqu'un soit coupable de poésie. Pour moi, c'est intolérable, en fait. Et ensuite, j'ai lu un livre qui a été cité, qui s'appelle Bilkis, et qui est très très bien écrit, que je conseille de lire, parce qu'il... Voilà, il présente vraiment bien cette société dans laquelle elle, en tant que femme, en fait, elle se retrouve emprisonnée parce qu'elle a fait des délits pour eux, mais qui en fait sont pas des délits pour elle ni pour le monde entier, quoi. Donc c'est en confrontation de justice et d'injustice, quoi. Enfin, moi, j'y reviens un peu à ça. Et après, la part de justice divine. Pour moi, c'est pareil, je viens d'un pays laïque, même si j'ai eu une éducation un peu catholique et tout, mais c'est, pour moi, la justice, elle est ailleurs. En fait. Pour moi, c'est plus le juste qui va l'emporter. En fait, jamais un dieu va pouvoir dire, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire passer, que jamais un dieu va pouvoir dire il faut lapider des femmes. Enfin, pour moi, c'est du théâtre, mauvais théâtre, enfin, c'est pire que ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, voilà, c'est... Après, bon, ben, y a aussi la question de la religion, de la vraie foi. Elle, dans le livre, elle a une vraie foi, donc qui est pas... qui se remettra pas en question, quoi. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans ses écrits, enfin, dans ce livre-là. C'est qu'elle a une vraie foi et qu'à côté, ben, elle est accusée de choses d'actions qu'elle aurait fait, mais qui ne dénaturent pas ça, quoi. Donc c'est aussi intéressant. Enfin, moi, ça m'a, voilà, j'avais envie de l'amener sur le plateau parce que je trouvais que ça donnait matière à réfléchir. Après, j'aurais eu un troisième passage, j'aurais eu
encore un autre tableau, je pense, d'un autre regard porté sur la justice. Enfin, j'ai été inspirée par plein de choses. À un moment donné, il fallait trancher. Et donc, voilà. Merci. Et vous avez été sauvé par le fait que Météo France n'a pas pensé à mettre un trapèze dans cette salle, ce qui vous a permis de vous exprimer deux fois. Et là, on gardera la troisième pour une prochaine. Oui. Je vous en prie. Moi, ce qui m'interrogeait, c'était par rapport au bon sens, en fait. Enfin, là, en théorie, justement, ça fonctionne et ça paraît progressif. On se dit que ça peut. Seulement, moi, je vais justement à des audiences et je trouve que le message là est assez fort de dire aux gens, bah, allez-y, parce que c'est intéressant de s'y confronter, de se dire qu'on est acteur de ce monde et acteur d'un pays dans lequel on est, quoi. J'imagine que la plupart ici y vont, mais du coup, il faudrait l'ouvrir, peut-être. Et en y allant, du coup, je vois des choses qui ne sont pas forcément humaines, où derrière, on se cache derrière une paperasse, derrière quelque chose qui est les règles et de chercher la petite vis de procédure et des couleuvres un peu comme ça, où finalement le bon sens est un peu passé à la trappe. Et du coup, la justice là-dedans, Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à tout ça, c'est. Quand le fait de réfléchir dessus et d'y penser et de théoriser, c'est super important. Mais comment est-ce qu'on peut remettre du bon sens à peu près au niveau où deux personnes se retrouvent face à face, et il y a des fois des conflits qui sont complètement idiots, et que malgré tout, le juge, s'il a un avocat en face de lui qui est assez compétent, il ne peut pas juger cette situation-là en tant qu'humain. Il est obligé de le faire en tant que juge, et c'est ça qui m'interroge un peu. Oui, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Je ne sais pas si le juge, alors je vais peut-être vous choquer, je ne sais pas si le métier du juge, c'est d'avoir du bon sens. C'est peut-être dommage, il en faut un petit peu hein, quand même, mais je ne sais pas si son métier, c'est quand même pas d'appliquer une règle de droit, non pas dans l'absurdité de la règle de droit, mais dans la garantie et la sécurité juridique qu'elle donne. Parce que s'il a du bon sens et qu'il applique la règle de droit un peu comme ça pour vous, puis un peu comme ça pour un autre, et puis encore d'une autre manière pour un troisième, mais il n'y a plus de règle de droit, alors le droit n'est pas le même pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je m'interroge sur le point de savoir si la notion de bon sens est bien celle que doit appliquer le juge. Un peu, oui, bien sûr, mais pas que. Merci. Il nous reste du temps pour une dernière question. Oui. Oui, bonsoir. Alors, pour l'artiste... Où est-ce que vous êtes, pardon? Oui. En ce qui concerne l'artiste, j'ai imaginé, lorsqu'elle était ensevelie sous les feuilles, j'ai imaginé la position, effectivement, du justiciable. Et ensuite, pour Madame Belloubet, vous avez parlé de l'anticipation ou de la prospective. Alors, qu'en est-il au niveau de la justice en général et dans le cadre des négociations TAFTA? Là, le juge n'est pas encore là, hein, quand même. Là, on en est plutôt quand même... Enfin, non, honnêtement, je ne crois pas que le juge, d'une manière ou d'une autre, soit déjà impliqué dans les négociations sur ce traité. On en est à des négociations entre États et là, franchement, on est à ce stade un peu loin du juge. Je m'arrêterai là sur ce sujet. Merci. Allez, la dernière question pour notre... Oui, il arrive. Ah. Merci. Moi, je trouve que ça faisait beaucoup de sens, l'intervention. Je ne me rappelle plus de votre prénom. Sur l'idée du bon sens. Et notamment, vous parliez en début de débat du fait d'informer les personnes sur les recours, en quelque sorte, de justice. Mais je ne sais pas si le fossé creusé des inégalités repose vraiment sur cette information des recours qu'on puisse avoir en matière de justice ou sur la chance qu'on a d'être entendu par rapport à l'idée qu'on se fait de la justice, l'idée qui serait une justice de cœur et pas une justice de loi, de lois qui nous protègent, mais à condition de les connaître. Et alors, ma question, justement, c'est de vous demander, est-ce que vous ne croyez pas que l'éducation, elle doit être surtout être faite au niveau de l'esprit de la loi? Parce que si on ne comprend pas l'esprit de la loi, et d'ailleurs, on parle d'esprit de la loi, justement, parce qu'il n'a rien d'évident, il me semble, si on ne le comprend pas, alors quel intérêt on a de se lancer dans une procédure dont on ne sait pas, au fond, si on a des chances de la gagner, parce qu'on ne comprend pas ce à quoi on a droit? Thank you.
bien. Alors, c'est une question vraiment très très difficile parce que d'une certaine manière, il me semble que on n'est jamais seul face à l'esprit d'une loi, que un contentieux, il ne naît pas comme cela, in abstracto, venu de je ne sais où. Quand vous voulez faire un contentieux, soit vous êtes aidé par un conseil, soit un avocat, ou un conseil, enfin peu importe, soit vous vous appuyez sur des lectures, vous ne décidez pas demain matin, vous ne dites pas tiens demain matin je vais faire un contentieux parce que j'estime que j'ai droit non, à ceci. Je ne parle pas de ça, mais on peut se mettre dans l'illégalité sans le savoir. Parce qu'on ne comprend pas. Par exemple, je pense au droit des sociétés ou à différentes choses où effectivement des personnes peuvent agir réellement en toute bonne foi et être au regard de l'URSSAF ou d'autres choses. D'accord, voyez, d'accord, oui, d'accord. Oui, et alors la bonne foi est une notion juridique qui est prise en compte. Oui, alors je ne sais pas à quoi vous pensez précisément, mais je veux dire, la notion de bonne foi est une notion juridique prise en compte aussi bien devant le juge fiscal que devant le juge commercial, que devant la plupart des juges. Donc si un citoyen ne comprend pas l'esprit de la loi, c'est quelque chose qui est plaidable le cas échéant. Le juge n'est pas... je veux dire, là on est vraiment dans une notion juridique qui est utilisée par le juge, celle-là d'esprit de la loi. Et donc, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais c'est quelque chose qui peut se traduire, avoir un véritable impact juridique, me semble-t-il. Et c'est en ce sens que vous reliez avec ce que disait... Non, pas seulement, parce que j'ai deux choses très différentes qui sont à l'esprit sur des faits... je pourrais vous les dire, mais je ne suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, sur deux cas particuliers, et qui vraiment donnent à penser que selon qu'on est informé un petit peu de la façon dont ça fonctionne, on a plus ou moins de chances d'aboutir dans une demande, malgré tout. Oui. Donc vous pensez que les juges resteront des humains? On n'est pas prêt d'avoir une intelligence artificielle Google servant de juge? Connaissant l'ensemble de la jurisprudence. Il y a une partie des choses qui se... Je pense que le mouvement de déjudiciarisation se prolongera. Et qu'après tout, il n'est pas exclu que certains faits puissent être traités de manière quasiment mécanique. Vous savez d'ailleurs qu'actuellement, dans les cabinets de conseil juridique, on informatise de plus en plus de traitements de données, pas au sens simplement... computation de données, mais au sens de réponse juridique à des données qui sont réitérées et à peu près tout le temps les mêmes, de plus en plus, dans la gestion des contrats également. Donc je ne doute pas qu'à certains moments, qu'on ira de plus en plus vers une déjudiciarisation et une dématérialisation d'un certain nombre de réponses juridiques. Cela dit, il faudra toujours des juges. Toujours, dans toutes circonstances, quel que soit que le juge soit revêtu de sa robe ou qu'il soit sous son chêne ou qu'il soit... Il faudra toujours des juges, c'est-à-dire au fond des intercesseurs qui aident à vivre mieux. Ça me paraît une conclusion optimiste. Donc il nous reste... Toujours. Toujours, oui, absolument, oui. Non, mais c'est... Je présentais ça plutôt comme une qualité, oui. Écoutez, je crois que donc en votre nom à tous, il me reste à remercier Marie Mercadal et Madame Morgane. Je suis désolé. D'accord. Morgane qui précisément fait un stage avec Marie en ce moment même. Donc merci. D'accord, merci. Et puis, bien sûr, en votre nom à tous, je me retourne vers Nicole Belloubet. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler devant nous et de répondre à des questions qui n'étaient pas toutes faciles et d'avoir essayé de traiter un sujet qui est passionnant et qui est compliqué. Merci. Donc, merci. Donc, ceci termine notre saison 2015-2016 consacrée donc au progrès. Il me reste à vous dire quelques mots de la saison prochaine.
Donc, le thème que nous avons retenu l'an prochain concerne le choix et la décision. Je crois que c'est un sujet intéressant. C'est en tout cas ce que le groupe de conception a proposé. Je précise que ce groupe de conception des thèmes est ouvert à tout le monde. Hein. Nous sommes nombreux et vous êtes bienvenus à le rejoindre, bien sûr. C'est un sujet extrêmement riche, hein, parce qu'il y a évidemment des quantités d'approches et d'angles différents, hein, que ce soit la partie neurophysiologique. François Chollet, par exemple, viendra nous traiter un sujet qui n'est pas du tout évident non plus et qui est finalement, quand on prend une décision, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est un joli sujet. Hein. Je suis très anxieux de savoir comment on peut répondre à cette question. Il y a toute la question et aussi des domaines dans lesquels nous avons le choix ou pas. Par exemple, est-ce que notre place dans la société, est-ce que nous avons vraiment le choix ? Est-ce que ça dépend de l'école ? Est-ce que ça dépend de la position sociale des parents, etc. Donc il y a toute la question des domaines dans lesquels nous avons réellement le choix. Et puis il y a des choix et des décisions sur lesquels nous voudrions porter l'accent. Et j'en profite pour dire qu'il y a un thème que nous considérons comme indispensable, que nous aimerions beaucoup traiter, qui est celui de la toute puissance du court terme contre le long terme dans beaucoup de décisions. Comment est-ce qu'on peut réhabiliter le long terme ? Comment est-ce qu'on peut tordre le cou au court terme ? Et je vous en parle parce que nous savons que nous voulons traiter ce sujet et pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé l'orateur de nos rêves. Donc, toute bonne idée est bienvenue et je vous souhaite des bonnes vacances et je suis sûr que vous reviendrez nombreux aussi pour le thème de l'an prochain.